سلام. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Cantley, encore une fois aujourd'hui au CCM. Donc deux séances extraordinaires aujourd'hui. La première touche le budget et le plan triennal des immobilisations. La deuxième touche les taux de taxation, donc les taux qu'on avait déjà passés au dernier conseil, qu'on avait fait le premier projet de règlement, M. Parent. Donc là, on va les adopter officiellement dans la deuxième séance par la suite. Donc, je déclare l'ouverture de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Avant de commencer, j'ai tiens à le préciser, j'ai fait un petit vidéo tantôt que j'ai partagé dans la municipalité ce matin. Ça a été long avant que... C'est un peu long, là. J'ai essayé de couper court, mais... Des fois, je parle un peu trop, mais je voulais toucher à tous les points. Je pense que ça vaut la peine de récapituler. Inquiétez-vous pas, j'en ai pour 5 minutes maximum. Là, je ne vais pas vous parler 30 minutes encore. Mais je pense qu'il y a des petits points, il y a des gens qui n'ont pas écouté l'information, puis je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Donc, je fais un petit récapitulatif très rapide de certains éléments. Donc, premièrement, la situation au départ. La situation, quand je dis la situation au départ, c'est quand le conseil on est arrivé. Le conseil est arrivé, on était assermenté le 15 novembre 2021. Donc, l'année 2021, vous comprenez qu'il restait un mois et demi sur l'année 2021. Donc, nous, quand on est arrivé en 2021, on a approuvé le budget 2022 avec, je ne veux pas dire l'augmentation de 13% parce que les taxes n'ont pas bougé l'année passée, mais les taxes sur le compte de taxes des citoyens, il a fallu régulariser la situation. Donc, la situation en 2021, là, j'ai des chiffres, c'est pas des chiffres que j'invente. C'est des chiffres qui sont cumulés à l'interne, qui sont vérifiés par des vérificateurs externes. Donc, on avait un déficit comptable accumulé de 700 000. Puis là, je donne un chiffre rond, là. Je sais que c'est plus ou moins 700 000, là. Mais on avait un déficit de 700 000 en date de 2021, déficit accumulé. En 2020. Donc, en 2021, quand j'ai en 2020, fin 2020, début 2021, si vous voulez. Donc, fin 2021, On a eu les chiffres finalement, on a eu un déficit, encore une fois, un déficit de fonctionnement dans le budget de fonctionnement de 700 000, encore une fois, ce qui a fait passer notre déficit accumulé à 1 400 000. Mais quand les vérificateurs viennent nous présenter le projet, on n'est pas à 1,4 million déficitaire, on est à 3,4 millions déficitaire. Qu'est-ce qui explique le 2 millions? C'est que dans l'année 2021, quand on est arrivé, il y a eu... Avec l'ancien conseil a entériné des résolutions afin de financer à même le surplus qu'on avait pu en 2021, certaines dépenses. Comme l'acquisition d'équipements, j'en ai parlé, l'achat de granulats, puis là, l'acquisition d'équipements, on parle de 800 000, l'achat de granulats, 200 000, achat d'équipements, 200 000, pavage des casernes, 200 000, dépenses d'élection, 120 000, etc., etc. Donc, des dépenses qui n'étaient pas dans le budget, puis qui ont été rentrés avec des résolutions qui ont fait passer le déficit de fonctionnement de 1,4 million à 3,4 millions. Donc là, quand les vérificateurs nous rencontrent, ils lèvent le drapeau rouge et nous demandent « qu'est-ce que vous allez faire cette année? » Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On l'a déjà fait, on a régularisé les taxes. Pourquoi? Puis là, j'explique. Je sais que je l'ai déjà expliqué pour ceux que c'était clair, mais je pense qu'il y en a peut-être qui n'avaient pas écouté initialement. Juste pour clarifier, si les taxes, les revenus de taxes n'augmentent pas pendant 10 ans, mais que les dépenses continuent d'augmenter, ça crée un déficit structurel. Donc, c'est beau, on avait des 7 millions, 8 millions de surplus accumulés. En 2021, il n'en restait plus, c'était rendu à zéro. Donc, on a fait des déficits structurels. Quand on arrive en 2022, nous, dans notre budget, c'est ce que j'avais expliqué, il manquait 2 millions de revenus par rapport à nos dépenses. Donc, on a commencé à couper dans les dépenses, mais couper 2 millions comme ça, en dedans de 15-16 jours, vous comprenez que, en plus, c'est des dépenses qui sont là depuis plusieurs années. C'est des dépenses, des services qu'on vous offre depuis plusieurs années. C'est pas des ajouts de services qui ont été faits. C'est des services qui vous ont été donnés, qui ont été financés avec les surplus qu'on avait pu. Bref, on recense pas le passé, mais on est rendu à 3,4 millions quand on rentre en bourse. C'est un peu ça. Donc, cette année, en 2022, on a régularisé les revenus, on les a adaptés. Là,
pas avec le taux de taxe, avec les maisons qui ont pris de la valeur. Les maisons n'avaient pas pris beaucoup de valeur depuis 15 ans, je vous le confirme, il y avait une petite augmentation. Là, l'euro l'a augmenté d'une manière importante, on parle de 13 % en 2022. On l'a laissé là, ça a permis de rentrer des revenus. Puis je vous confirme que le rôle de la MRC va encore augmenter dans les prochaines années. Je le vois avec les autres municipalités voisines. Je vous le confirme. Mais quand une municipalité est bien gérée, on est capable de baisser le taux pour arriver avec une facture raisonnable de taxes. Je pense que j'ai été clair par rapport à ça. Donc, on rentre en pause. Puis naturellement, cette année, bien, vous comprenez que autant on avait serré au début, autant que pendant l'année, parce que c'est beau de serrer au début, mais quand on a des budgets sur des lignes, c'est plutôt difficile. Mais au courant, quand il y a des gens, par exemple, qui quittent pour différentes raisons, bien, on ne remplaçait pas automatiquement. Tu sais, avant de mettre une dépense, puis là, on attend les chiffres de 2022, on n'a pas fini l'année encore. Mais j'espère, en tout cas, j'espère, je le sais qu'on va générer un petit surplus parce qu'il y a eu quand même des efforts faits autant à l'interne par les services que par les décisions du conseil. Je m'attends à ce qu'on génère un petit surplus de 200-300 000. Avec les revenus l'année passée, ça a juste équilibré les dépenses. Mais on devrait être capable de dégager un 200-300 000 de revenus sous toute réserve qui va être appliqué sur notre déficit accumulé de 3,4 millions. Donc, le 3,4 millions, naturellement, il y en a qui ont dit on pourrait aller signer un autre règlement d'emprunt. Le but, c'est pas ça nécessairement. Puis, quand je dis nécessairement, ça pourrait être apporté. Moi, c'est pas ce que je vais pousser. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pendant les 4 prochaines années, que le déficit baisse d'année en année. C'est ce qu'on espère, tout en continuant d'offrir des services respectables, puis comme on a toujours offert à Kennedy. Donc, je pense que par rapport à ça, la situation, je pense qu'elle est assez claire. Maintenant, il y a des règlements, il y a des éléments que je veux clarifier rapidement. J'ai dit que j'allais m'en tenir à 5 minutes. Là. Règlement d'emprunt. Des règlements d'emprunt, on en a passé dans nos résolutions cette année. Un règlement d'emprunt, ça ne touche pas le budget de fonctionnement. Un règlement d'emprunt, c'est pour du long terme. Donc, on va l'emprunter pendant plusieurs années. Quand on va emprunter un montant, les citoyens vont le payer pendant plusieurs années. Pourquoi qu'on mettrait une réparation de rue qui va générer, qui va être là pendant 25 ans, je vous le rentrerai, vous, dans votre facture cette année. Ça, c'est pas une saine gestion des finances. Donc, des actifs long terme qui rapportent des avantages à la municipalité future à long terme, on devrait contracter une dette long terme qui va avec un actif long terme. C'est ça, une saine gestion des finances. Puis des règlements d'emprunt, je vous le confirme, toutes les municipalités en font. Pourquoi? Pour le parage des rues, pour des ajouts importants au niveau de la sécurité, au niveau des loisirs, je pense au CCM, ce qu'on a ajouté ici, caserne de pompiers, camion de pompiers, etc. Mais je vous dirais que 95 % c'est du parage de rue. Comment ça fonctionne, les rues? Les gens disent on paye, j'ai vu toutes sortes de choses qui ont circulé. Il y a des rues du MTQ, on parle de la 307, on parle du chemin cascade, financé par l'ensemble des citoyens du Québec. Donc, ça, on ne le voit pas la facture directement, mais on le paye tous. On paye toutes les rues du MTQ partout dans le Québec. Les rues collectrices importantes vont être financées par l'ensemble des citoyens de Cantley. L'ensemble des citoyens. Et les rues individuelles, donc les rues individuelles non collectrices, donc les gens qui font, selon notre politique de pavage, qui vont demander qui vont répondre à la politique, qui vont aller signer une pétition avec leurs citoyens, il y en a peut-être dans la salle, bien, c'est combien dans la pétition qu'il faut ramasser? C'est 70 % ou? C'est 50 plus 1. 50 plus 1, OK. On est quand même assez conservateur de ce côté-là, mais peut-être pas assez, selon moi. Je vais juste vous dire que les gens de la rue financent à raison de 77,8 %. L'autre 28,4 % est financé à même le budget de fonctionnement. Donc, ceux qui ont des rues individuelles le voient sur leur compte de taxes. Sinon, c'est puisé à même. Donc, l'autre 22 %, c'est des plus petits montants, et embarque dans la dépense de transport, voirie, qu'on va voir tantôt. Donc, une dépense de voirie qui touche ça. Donc, si on parle d'entretien des rues secondaires. Donc, juste pour clarifier. Le taux d'endettement, puis je finis là-dessus, le taux d'endettement, parce que je vais revenir sur le PPI naturellement tantôt. Le taux d'endettement de Cantley en 2021, parce qu'on n'a pas les chiffres de 2022, les chiffres viennent du MAMACH, du ministère. On parle de 40 % à Cantley, le taux d'endettement. Puis là, ben, c'est sûr que je pourrais comparer avec d'autres municipalités de la MRC des Collines. Sauf que je veux que vous voyez le taux d'endettement parce qu'on s'endette pour des rues pour du long terme. Donc, notre taux
Notre taux de taxes et de l'année passée était de 73 sous. C'est le taux qu'on augmente de 2,9 cette année, 2,9%. Bien, le 73 sous, juste pour vous donner une idée des règlements d'emprunt, l'ampleur, ça représente 10 sous sur votre compte de taxe dans le 100 $. Donc, le taux de taxation de 73 sous monte à 83 sous à Cantley avec les règlements d'emprunt en 2022. C'est important de le comprendre. OK? Donc, c'est. Puis le taux d'endettement de 40 si je compare à Chelsea, 55 c'est sûr que d'autres municipalités qui sont 30-32 je regarde la MRC qui était à 39 Val-des-Monts, 36 Chelsea, 56 je l'ai dit. Mais le taux d'endettement, je ne veux pas juste qu'on le regarde avec le taux d'endettement, parce puis M. Parent peut me reprendre si je m'égare suite aux informations que j'ai obtenues, mais le ministère pourrait dire à un règlement d'emprunt, non, on ne le veut pas. Ou non, c'est pas permis, votre taux d'endettement est trop élevé. Puis je me trompe pas quand je dis qu'autour de 68 le ministère va réagir. C'est ce qu'on s'est fait dire. Mais je veux quand même qu'on confirme le taux global de taxation uniformisé à Cantley avec le 73 sous qui monte à 83 sous avec nos règlements d'emprunt. 83 sous. Chelsea, 91 sous. Val-des-Monts, 1,05 $. Pontiac, 86 sous. La Pêche, 83 sous. L'Anse-Gardien, 82 sous. Donc, on est dans les très, très, je suis très à l'aise avec le taux qu'on a actuellement. Ceci dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut ouvrir? Mais non, je veux dire, à chaque décision qui sont apportées, qui sont soulevées par des citoyens qui les génèrent des discussions au conseil, on se pose la question tout le temps. Est-ce que ça vaut la peine? Puis même quand il y a une subvention, est-ce que ça vaut la peine? Oui, non, bien souvent les rues, c'est quand même, il ne faut pas s'entraider dans le sable. Là, on a une responsabilité au niveau des rues, de l'entretien. Puis je veux dire, si on ne fait pas l'entretien d'une rue pendant 2, 3, 4, 5 ans, on va avoir des dégâts importants qui vont coûter plus cher. Puis je finalise rapidement avec les règlements d'emprunt. En 2023, dans le budget cette année, on a 77 règlements d'emprunt. OK? Ça, c'est des règlements d'emprunt pour toutes sortes de rues, principalement des rues dans la municipalité du pavage de rues. Sur les 77 règlements d'emprunt, il y en a deux que nous, en 2022, qu'on a autorisés. On parle de ponceaux majeurs sur des prés Beaumont, entre autres. Puis là, on parle de ponceaux. Si les ponceaux, ça pèse, je vous confirme que ça va coûter beaucoup plus cher. Et on parle de ronds-points pour la sécurité au niveau des rues Fallant et Zurich. On parle d'un emprunt de 700 000. 700 000 sur 30 millions. Puis quand je dis 30 millions, c'est 30 millions qui est réparti pendant plusieurs années. On finance ça. Donc, cette année, on parle d'environ 2 200 000 qui embarquent sur nos comptes, d'où le 10 sous de plus dans le taux global uniformisé. Mais quand on se compare, on n'est quand même pas pire. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que les règlements d'emprunt de l'ancien conseil n'étaient pas nécessaires. C'est comme ça qu'on finance. Il y a le budget de fonctionnement et il y a les règlements d'emprunt. Et c'est important de le comprendre. En même temps, il y a toujours, à un moment donné, je regarde la situation actuelle, avec tous les coûts qui explosent, avec la situation qui est quand même assez importante, négativement, financièrement, partout dans le Québec, je pense qu'il y a lieu de se poser des questions quand même. Puis je pense qu'on s'en pose. Donc, au niveau des règlements d'emprunt, je voulais préciser ça. Donc, ça m'amène naturellement vers mon mot du maire que je vais, avant d'adopter l'ordre du jour, on est-tu à l'aise avec ça quand même tout de suite ou je vais attendre par rapport à ça? Donc, ça m'amènerait à la période de questions, mais la période de questions, excusez, M. Parent, adoption de l'ordre du jour. Hein? Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, moi, je serais très à l'aise, puis là, naturellement, j'ai une dizaine, douzaine de questions que je vais répondre. Les membres du conseil, on va répondre. Puis, est-ce que vous êtes à l'aise de mettre la période de questions, s'il y a des gens dans la salle qui veulent me poser des questions. Je vais vous ramener à l'ordre. Oui, allez-y. Il faudrait un proposeur, un secondaire pour la proposition d'acceptation de l'ordre du jour. Je propose. Sarah Plamondon, de la télévision. Les résultats de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 décembre du budget est avant d'être adopté tel que présenté. Je pense que vous voulez faire des modifications. Si j'ai bien compris, la rencontre auparavant, vous voulez devancer la période de questions du point 5 au point 3, puis peut-être décaler des autres. Oui. Là, c'est pour ça qu'il faut que j'ai l'accord de tout le monde au conseil. Fait que Mme Bellin, êtes-vous d'accord? M. Bosco? D'accord. M. Normandin? Oui.
d'accord. Oui, absolument. Oui, assurément. Parfait. Fait qu'on va accepter les résolutions de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 décembre sur le budget qui soit adopté avec la modification proposée. Mme Plamondon et Mme Bélis, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait. Excellent. Donc, ce qui nous amènerait à la période de questions. Donc, je vais répondre aux questions que j'ai reçues. Puis là, naturellement, il y a eu beaucoup de choses sur les médias sociaux. Je vais répondre à ceux qui ont pris la peine, puis on en a beaucoup quand même, là, vous allez voir. Monsieur Oui? Avec votre présentation, peut-être que j'avais un commentaire pour vous faire poser pour que les citoyens soient au courant. Et ça va en même temps permettre de présenter M. Derek, qui va peut-être pouvoir répondre à cette question-là. C'est, vous avez parlé de dette à long terme et de dette à court terme. 1 million, on dirait, si on a payé ça sur 15 ans ou 1 million dans la même année, ça serait quoi l'impact sur le citoyen? Bonsoir. En fait, au niveau des règlements d'emprunt, là, c'est sûr que là, les taux d'intérêt sont de plus en plus à la hausse, là, malheureusement, donc on va payer encore plus cher, mais grosso modo, pour à chaque tranche de millions de règlements d'emprunt, c'est environ, et financé sur 15 ans, c'est environ 100 $ par résidence moyenne, si je peux dire ça. Là, c'est sûr que c'est, votre résidence est en valeur, plus vous allez avoir une facture plus salée, là, mais c'est environ, si on dit qu'environ ça, une maison à quantité est environ à 350 000 par exemple, ben, ça serait environ 100-105 $ pour une maison de 350 000, financée sur 15 ans, là, par tranche de millions d'emprunts. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et si on fait cet emprunt-là pour un an? Ça, c'est une question. Je n'ai pas fait la mathématique parce que c'est peu probable, mais je veux dire, on va payer 1 million plus un 5-6% à l'intérêt, donc 1 million 60 000 répartis à travers la valeur des maisons à qualité. Je ne sais pas, je ne peux pas faire la mathématique, mais sur un budget de 20 millions, ça ferait 5% d'augmentation, je pense. Oui. Mettons, il y aurait plus de monde dans la salle aujourd'hui si on fait ça pour soigner. Oui, ça, c'est sûr. Merci, M. Lalonde. Je pense que M. Lalonde, ici, ce qui explique, ça confirme un peu ce que je disais tantôt, du long terme. Tu sais, je veux dire, on ne veut pas faire financer nos gens aujourd'hui pour des infrastructures qui vont durer 50 ans. Donc, on veut répartir parmi la facture. Et ça, c'est tout à fait normal en passant. OK, donc, on va commencer la période de questions. Je vais commencer, je vais lire les questions, puis là, oui, je vais le faire avec le budget. OK, donc, première question, Mme Julie Laramé. Donc, Mme Laramé inscrit, j'ai regroupé la troisième question avec trois questions, Mme Laramé. Là. J'aimerais savoir le pourcentage de la population qui va utiliser l'accès à la rivière de 500 000 $. Pouvez-vous nous expliquer le processus qui a amené à l'approbation de cette dépense? Je pense que c'est un projet qu'on parle depuis longtemps. Je ne sais pas si monsieur de Bellefeuille, oui, vous pouvez répondre. Allez-y. Moi, durant la campagne électorale durant l'été, on m'avait contacté, puis ici, il y a un groupe de citoyens qui s'était formé. Mis des affiches un peu partout, ils avaient essayé d'avoir le plus de gens possible pour leur sondage. Puis c'est sûr que c'est pas officiel, là, donc on peut toujours en faire un autre si le chiffre finalement est nécessaire. Là, mais selon ce regroupement de citoyens-là, c'est environ 800 personnes qui étaient intéressées, qui étaient favorables à la descente à la rivière. Moi, je pense que ça serait au moins un 10% de la population, à mon avis. Mais c'est juste un chiffre comme ça. Par contre, la rivière, c'est une ressource naturelle, c'est un droit qu'on a tout le monde, puis on, présentement, on n'a pas accès. Je pense que c'est important qu'on puisse donner aux gens accès à cette ressource-là qu'on a pour profiter. Puis, c'est ça fait plusieurs années qu'on discute de ce projet-là.
Ça a évolué. Je pense qu'on est rendu au quatrième site qu'on regarde, qu'on analyse. Puis souvent, quand on est patient, qu'on prend le temps d'analyser comme il faut dans ces dossiers-là, on est souvent récompensé, soit par des subventions. Puis dans ce cas-ci, c'est probablement un des meilleurs sites des quatre. Puis avec qui va nous coûter moins cher. Donc, on a regardé des chiffres. L'histoire qu'on avait vue au début, c'était des 4-6 millions. Puis là, on est rendu avec. On a une collaboration d'un promoteur, puis ça serait quasiment nul, sauf l'aménagement, la descente elle-même. Donc là, on est rendu à un projet qui est très, très intéressant. Ça vaut la peine d'être patient. Puis oui, je pense que effectivement, là, les citoyens aimeraient savoir le service, puis c'est à nous de leur offrir. C'est un droit de tout. Excellent. Deuxième question. Pouvez-vous nous expliquer le processus des règlements d'emprunt? Comment la population peut être consultée avant l'approbation des dépenses? Est-ce qu'on reçoit la documentation nécessaire avant les conseils? Pouvez-vous procéder à des sondages de la population si elle veut utiliser son argent pour ses dépenses? Monsieur Parent, peut-être clarifier ça un peu, comment que ça fonctionne au niveau des... Oui, bien rapidement, je pense que le conseil actuel essaie... Vous avez vu ce que ça a donné, la transparence. On a sorti des documents pour la première fois au niveau du budget depuis une semaine. Et vous voyez ce que ça fait, mais moi, je suis très à l'aise quand même. Là. L'important, c'est de générer des questionnements, que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe à Kentley. Je pense que c'est important, puis c'est important de fournir des documents de plus en plus. Pour tout le reste, je vais laisser M. Parent. Je vais faire ça en deux morceaux. Si on parle de construction, exemple, la caserne d'incendie qu'on voit dans notre PPI, pour aller à un règlement d'emprunt, il faut que le conseil fasse un avis de motion, un premier avis de motion. À ce moment-là, on informe la population. Après ça, on fait une demande d'emprunt, on passe une résolution au conseil. Et après ça, dans un cas comme le garage ou la caserne, il y a une consultation qui se fait. Si les citoyens viennent dans la municipalité et signent le registre, bien, s'il y a une signature de registre qui a un nombre déterminé, à ce moment-là, le conseil est informé puis on a le choix d'aller en référendum ou de laisser tomber la dépense. Donc, je vous prends un exemple pour acquis. La caserne, exemple, c'est 10 millions. Le conseil va faire une avis de motion, on va faire un règlement d'emprunt. Après ça, il va être sujet à une consultation référendaire. Si les gens viennent signer ce document-là à la municipalité, une date fixe avec des heures fixes de 9h le matin jusqu'à 7h le soir, je me souviens bien. Si les gens viennent à cette journée-là, bien à ce moment-là, il y a le nombre de signatures requises, mais à ce moment-là, c'est référé à une consultation référendaire. Donc, c'est un référendum dans l'ensemble de la société. Si le conseil décide, mais le conseil va décider, on n'y va pas de l'avant, dans un premier temps. Ce qui est un chemin d'une voie publique qui a une municipalité, je vais donner l'exemple comme commandeur, bien, c'est un chemin qui serait à l'ensemble de la population, le conseil, vous avez l'autorité au complet. Donc, il n'y a pas de situation de consultation publique. Où est-ce qu'une consultation publique, c'est un chemin auquel une taxe sectorielle, les gens veulent avoir un pavage sur un bout de chemin à eux, sur une non-collectrice, à ce moment-là, ça devient à ce moment-là référendaire à ce petit groupe. Tu sais, je veux dire, c'est complet. Merci, M. Parent. Dernière question. Kentley s'engage directement dans un mur en appauvrissant sa population. Avez-vous pensé à des solutions? Avez-vous pensé à une fusion avec Val-des-Monts? Vous devez trouver des solutions car une autre hausse en situation de crise économique pourrait être fatale. Je ne sais pas s'il y a un conseil qui peut répondre là-dessus. On l'a mentionné un peu dans la présentation que vous avez faite, M. le maire. Val-des-Monts, que vous avez donné en exemple, eux ont un taux global de 1,5 $ en 2021, et nous, on est à 83. C'est 22 cents plus cher que nous. Fait que fusionner avec une ville qui coûte déjà plus cher que nous, je ne pense pas que c'est avantageux. Merci, M. Lalonde. M. Durand. Donc, vous avez écrit question à M. Bosco. Je vais séparer, je vais laisser répondre M. Parent pour la première question un peu plus technique. J'ai remarqué deux versions du règlement de taxation 697-22 publiées sur le site Internet le 14 et le 17 décembre. La modification de taxation du règlement 22603 est passée de 583 à 500 $ et l'ajout de 500 $ pour les terrains vagues de 960,
et 11 mètres carrés. Pourriez-vous confirmer le nombre de terrains concernés? Il y a 4 terrains concernés, donc un qui est regroupé ensemble, qui est l'ancien mot chez nous, c'est 3 lots différents, regroupés en 1. Les autres, c'est le Nicole, le 6 Nicole, le 1 Cardinal, le 4 Cardinal, puis le 468, puis le 460. Je ne sais plus lequel est la bonne, mais c'est l'ancien mot chez nous. C'est les 4 lots qui sont redistribués à l'ensemble de la taxation du bassin de la fortune, et on l'a divisé au nombre d'un mètre cube. De mètre carré, excusez-moi, de mètre carré qu'on avait, au mètre cube, parce que c'est pas la même chose qu'on mesure, excusez. Donc, on l'a ramené en mètre cube pour un partage équitable entre les trous, entre les 4 terrains vacants qu'on parle ici. Merci, M. Parent. Puis, la deuxième question, je vais laisser M. Bosco répondre. Donc, de 2003, je fais la mise en situation que vous avez écrit, M. Durand. De 2003 à 2016, la municipalité assumait les frais de gestion du bassin de la fortune, à même le salaire d'un employé. Depuis 2017, un contrat de service a été octroyé à une firme privée. Depuis ce temps, il nous a facturé une dépense supplémentaire qui est passée de 25 000 à 39 000 avec la nouvelle appel d'offres qu'on a vu cette année qui a passé. Donc maintenant, la question qui est encore un petit peu de mise en situation, mais je m'en viens. Lors de nos conversations et échanges de courriel, vous m'avez indiqué, j'ai compris qu'advenant un manque de disponibilité du fonds de réserve du règlement, la municipalité accepterait maintenant d'assumer à même le fonds général le ou les surplus de dépenses. Est-ce bien ce que vous m'avez confirmé? Bon, je comprends, hein, M. Durand, qu'à un certain moment, la municipalité assumait l'entretien de bassin de la fortune. Malheureusement, on n'est plus dans cette façon de faire parce qu'il y avait des problèmes, comme vous savez, on a déjà discuté de cela, que ce soit avec moi ou que ce soit avec le général et le maire. Maintenant, quand on regarde la facture, là, quand vous regardez la facture que vous payez l'année passée en 2022, vous constaterez que vous payez 500 $. Quand on regarde la facture que vous allez payer en 2023, vous constaterez également que vous allez payer 500 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré le fait que on a été obligé d'aller à la tête d'offre parce que vous l'avez demandé et que la facture a augmenté, permettez-moi de finir, donc vous n'allez pas avoir une augmentation. Et quand on regarde aussi, vous le savez déjà, avec le bassin, que je ne sais pas combien d'années, je pense que ça fait plus que 4 ans qu'il a été vidé, il y a un besoin de le vider et le bassin, peut-être on va le vider l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Et donc, les 500 $ incluent non seulement les frais d'entretien, mais aussi une certaine portion de bassin. Monsieur le Président, vous allez peut-être me corriger. Et donc, le fait que vous allez payer 500 $ en 2023, on va regarder le budget, la même chose que vous payiez l'année passée, ça veut dire que la municipalité va devoir peut-être contribuer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vider le bassin-là. Puis, comme M. le DG vient de répondre, on a essayé de trouver des solutions pour aller chercher d'autres contribuables qui permettraient en fait, de nous aider à réduire la facture des citoyens qui sont connectés sur le bassin de la fortune. J'espère que ça répond bien à votre question. Bon, on va vous donner la parole après, M. Durand, si tu veux, juste pour qu'on... Oui, M. Parent, vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Dans le présent cas ici, M. Durand, juste pour qu'on se comprenne bien, qu'on puisse encore capable de danser ensemble, c'est une bonne expression, c'est cette année, le conseil a décidé d'assumer la balance des coûts pour cette année. Il n'y a pas d'engagement pour les années subséquentes. Vous me suivez? Je pense que c'était... Okay, mais je veux juste préciser que cette année, le conseil a décidé de... Comment dire, dans le langage, chip in dans le pot cette année. Il n'y a pas de garantie pour les étudiants, ils n'ont pas eu cette orientation-là. En fait, je voulais d'ailleurs en profiter pour remercier tous les membres du conseil qui ont travaillé fort pour puis collaborer pour qu'on puisse être capable de trouver une solution pour les citoyens qui sont en déjeuner. Donc, merci. Madame Dion, Jacqueline Dion. Donc, excuse, répondre à l'autre question d'avant aussi. Jean-Charles a mentionné que tu fusionnais avec une ville qui a des taux de taxes plus hauts que nous. Évidemment, ce n'est pas une solution, mais
Je pense que côté des services, il y a peut-être manière de fusionner certains services avec d'autres, comme je pense qu'on a déjà parlé au niveau de la collecte des ordures, ces choses-là. Je pense qu'à l'avenir, il y a différentes pistes de solutions qui sont envisagées pour combiner nos services avec d'autres. Ça peut s'aider avec la facture. Donc, sans nécessairement aller fusionner avec une autre ville, il y a d'autres choses qu'on peut combiner pour aller voir chercher des effets. Je vais renchérir ce que M. Normandin vient de dire. Je vous confirme que toutes les municipalités de la MRC des Collines, au Conseil des maires, on est assis avec les maires, c'est ce qu'on dit. Je pense que ça n'a jamais trop été fait. Il est temps de regarder comment maximiser. On lave nos rues au printemps, mais c'est le même camion qui va passer à la municipalité de Chelsea. Donc, donnons-lui le contrat pour l'ensemble de la MRC. On va baisser les coûts. Et c'est, je veux dire, ça, c'est un exemple. Il y en a plusieurs exemples comme ça. Fait que je vous confirme qu'on regarde de plus en plus pour ça, maximiser les services offerts dans la population. Donc, Mme Dion-Jacqueline nous dit quel est le nombre et la somme totale de règlements d'emprunt. Quel est le nombre total et la somme totale, oui, de règlements d'emprunt déjà approuvés, mais non finalisés, qui seront ajoutés à la facture de taxes de 2024 ou plus tard? Donc là, je comprends, Mme Dion, j'imagine que vous faites référence à nous cette année en 2022. Donc, je vous confirme, tantôt, j'ai parlé de deux emprunts qui passent dans le budget 2023. Il y en a quatre autres qu'on a faites. Donc, il y a six résolutions d'emprunts qu'on a faites ici au Conseil en 2022. Tantôt, les deux que j'ai mentionnés, les ponceaux majeurs, les ronds-points, qui totalisaient à peu près 760 000. Ça, c'est déjà dans le budget 2023. Les contrats sont donnés et ça avance. Les quatre autres, il y en a un qui est en cours, déjà la réfection du chemin Sabouret au coût d'1,048 million. Les trois autres, les contrats n'ont pas été donnés. Donc là, je regarde réfection du chemin Tonline, réfection de Saint-Amour. Tonline, on parle de 3,160 million, mais Val-des-Monts va venir compenser une partie des coûts, parce que c'est avec Val-des-Monts qu'on paye les coûts. Pour la réfection de Saint-Amour, puis là, M. Parent, vous me reprenez si je m'égare dans mes défauts les chiffres, j'arrondis la mauvaise pièce, mais je regarde 6 194 000 pour Saint-Amour. On a une subvention qui est collée avec cette résolution d'emploi-là de 2,4 millions. Donc, on parlerait de, pour le 6 millions, dans le fond, 3,5 millions, pour la réfection de ton line, ça va dépendre des calculs avec Val-des-Monts, là, c'est pas 50-50, ça va dépendre de partage, différents partages. Donc, il y en a trois pour le moment. Est-ce que ça va être en 2024 qu'on va donner ces contrats-là? Parce que le processus des règlements d'emprunt, on va pas emprunter tant que le contrat n'est pas donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, on passe la résolution, mais tant que l'appel d'offres, puis quand je dis l'appel d'offres, c'est une première étape, mais que le contrat n'est pas signé, il n'y a pas une somme qui sort. Donc, est-ce que ça va être en 2024, 2025? Est-ce qu'on pourrait dire l'appel d'offres est trop élevé, on n'embarque pas? La réponse est oui. Donc, je pense que j'ai répondu à la question de Mme Dion. Monsieur Réal, oui. Le chemin Sabourin, initialement, le prêt d'emprunt était pour 1,048 000, mais à fur et à mesure que les coûts arrivent, ça va pas mal être moins que ça. Ça fait qu'on doit, par la loi, demander le coût total, mais si on fait des économies, on est obligé d'aller emprunter le montant total. Excellent, merci. Monsieur Lalonde, Monsieur Réal-Goulet, donc, plusieurs questions, je les ai séparées un petit peu, là. Je vais laisser un petit peu l'interne parler des post-budget 2022 versus 2023, donc augmentation des dépenses. Puis là, je ne sais pas, M. Parent, M. Murphy, là, sécurité publique 2023 versus 2022, on parle d'une augmentation de 14 % transport, augmentation de 17 % qu'est-ce qui explique ça? Hygiène du milieu, augmentation de 20 % qu'est-ce qu'on retrouve dans ce poste de dépense-là? Ça, c'est les trois premières questions. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, Derek. Oui, merci. Donc, pour répondre à M. Goulet, là, au niveau de la sécurité publique, bien sûr, là-dedans, là, c'est la police à travers notre corps de la MRC. Entre autres, ça, c'est 11,86 % d'augmentation juste pour le corps de police. Il y a également là-dedans, bien sûr, les pompiers et leurs activités. Comme vous savez probablement, on a signé la nouvelle convention collective avec les pompiers en 2022. Donc, ça aussi, ça a augmenté. Ça a occasionné, bien sûr, une augmentation des coûts à ce niveau-là.
C'est tout près de 20 % d'augmentation au niveau salarial c'était pour mettre à niveau là, les salaires de nos pompiers comparativement aux autres corps de pompiers de comparatifs. Monsieur Boulet demande aussi au niveau du transport. Dans ce poste-là, bien sûr, il y a le délaissement des rues. Encore là, c'est un contrat qui est en augmentation tout près de 6 %. Puis ça, c'est probablement aussi quelque chose comme M. le maire mentionnait tantôt, là, de regroupement avec les autres de la MRC qui pourraient certainement être envisagés à ce niveau-là. M. Boulet demande également au niveau hygiène du milieu. Hygiène du milieu, là, ça regroupe, parce qu'il demande qu'est-ce qu'on retrouve dans les dépenses hygiène du milieu. Là, c'est tout à collecte, les ordures, recyclage et compostage. Juste ça, ce contrat-là a augmenté de 21 % comparativement à son payé en 2022. Il y a également les charges du bassin de la fortune qui sont là-dedans et les charges qu'on dit de protection de l'environnement. Les employés qui sont affectés à l'environnement, etc., sont dans ces charges-là. C'est ce que M. Boulet demandait. Merci. Merci, M. Parent. Puis juste pour moi. M. Murphy. Oh, excusez, oui, je mélange les deux, M. Murphy. Je suis comme ça, je me mets dans les mains. OK, donc, puis juste pour compléter au niveau du transport des ordures, vous avez vu aussi sur, peut-être le mot, vous avez vu le projet, on a augmenté les revenus, dans le fond, ce que vous payez sur vos 10 % de taxation de plus sur les ordures pour combler, récupérer un petit peu avec le coût des poubelles ici. Donc, on va chercher un petit 10 %, mais si ce n'est pas sur 10 %-là, c'est ces taxes. Je veux dire, il faut le payer de toute manière. Donc, on a augmenté un petit peu la quote-part pour représenter beaucoup plus parce que juste ce service-là devrait arriver kiff-kiff. Ça ne devrait pas arriver avec un trou. On va chercher, on paye ces ordures-là, boum, c'est réglé. Là, ça génère un petit coût. L'augmentation est de... Je ne sais pas, l'augmentation seulement des poubelles, c'est 50 %. C'est 50 %, ça passe de 1 million à 1 500 000. Bien, on augmente de 10 % le revenu individuel. Monsieur Murphy ou Monsieur Parent, dernière question, avant que je tombe dans une question qui me concerne un peu plus, ou le conseil plutôt. Doit-on s'inquiéter, parce que Monsieur Goulet fait référence aux revenus de 20,8 millions versus les dépenses de 21,9 millions. Donc, ça laisse un déficit avant votre conciliation fiscale. Pouvez-vous expliquer ce qu'il y en est exactement? Oui, je peux. Donc, au niveau de ça, oui, effectivement, si on regarde ça juste brut comme ça, effectivement, ça fait un déficit de 1 134 000. Par contre, pour les fins de taxation, on doit rajouter, il ne faut pas oublier que dans ces dépenses-là, là, dans les charges qu'on voit ici pour 21,9 millions, il y a 3,5 millions d'amortissements comptables qui sonnent et bien sûr pas taxables auprès des citoyens. C'est une charge comptable. Donc, ça, c'est une charge comptable qui n'est pas taxable. Par contre, ce qu'il faut venir rajouter au compte de taxes, bien, c'est les remboursements de dette à long terme là, qu'on parle depuis le début du compte spécial ou à peu près. Je ne pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter dans le sens qu'on, excusez l'anglicisme, on break even là, au niveau de à des fins fiscales, le budget est équilibré. Là, ça répond à la question de M. Boulet. Mais... Merci. Tu me fais. Concernant le PTI, M. Goulet demande, ce qui explique que le coût de construction de la caserne passe de 5,4 millions à 10 millions. Je vais revenir sur le PTI tantôt, là, naturellement, mais je veux que vous compreniez que le PTI, on le réévalue à chaque année. Donc, M. Goulet a vu sur un ancien PTI la caserne de 5,4 millions et là, ça a été augmenté à 10 millions. M. Parent, pouvez-vous peut-être dire pourquoi il y a des augmentations de coûts comme ça? Bien, suite à l'acceptation conditionnelle de la subvention du financement, on a tourné les architectes qui sont en train de rétablir le coût, mais ils ont fait des coûts d'environ 10 millions basés sur des casernes d'incendie, d'après le même titre qui a été construit à l'extérieur.
naturellement, c'est une estimée. Ça ne veut pas dire que le contrat a été donné. On va aller en appel d'offres dans les prochaines semaines pour trouver un architecte et des ingénieurs. Puis à ce moment-là, on va avoir la mairie des coûts. Puis après ça, ça va être soumis à des entrepreneurs pour la construction qui vont nous revenir avec des coûts. Puis le conseil va décider à ce moment-là s'il donne le goût. Il faut se souvenir, dans ce cas-ci, on a 60% de subventions de la part de Québec pour faire avec la sécurité publique pour la construction de notre casino. Merci, M. Parent. Deuxième question. L'investissement pour le garage municipal n'est plus dans le plan. Dois-je conclure que cet investissement n'est plus nécessaire? En effet, on s'est dit qu'on allait bouger le garage municipal, mais à coût nul. Donc, on l'a enlevé du PTI, puis on verra ce qui se passera avec le garage municipal en temps et lieu. Mais le but, c'est que ça ne génère pas de coût. Dernier point sur le plan triennal, on indique un investissement de 30 millions. Je vais y revenir tantôt. Y a-t-il un document préliminaire indiquant les idées de la ville pour cette phase 2? Si oui, où pouvons-nous le trouver? Non, pour le moment, c'est une idée en partant. J'y reviens tantôt. Monsieur Boulay, inquiétez-vous pas. Je reviens, je continue. OK, donc on va revenir sur le PTI. Inquiétez-vous pas. Finalement, avec la COP15 et la demande d'avoir 30% de son territoire en air protégé, est-ce que la ville doit commencer à en tenir compte rapidement et est-ce qu'on doit mettre un poste à ce sujet dans le budget 2023? On a d'ailleurs commencé, on a commencé cette année avec la taxe verte. On veut protéger, on a signé notre protection de 51% de notre territoire à partir de 2030 également. Donc, puis la taxe verte qu'on ajoute cette année également. Donc, on commence à mettre de l'argent de côté pour protéger notre territoire. Monsieur Annan, Patrick Annan, j'ai choisi Cantley. Considérant que la ville et le pays est en crise inflationniste et considérant la municipalité a augmenté le compte de taxes des résidents de 18% avec l'évaluation foncière de la MRC, avec le taux de taxes qui bouge de 2,9 cette année, qui n'a pas bougé l'année passée, et avec les règlements d'emprunt de 3% cette année, pourquoi la ville n'a pas annulé les règlements d'emprunt pour les deux prochaines années? Annuler des règlements d'emprunt quand ça touche la sécurité, quand ça touche des municipalités, ça peut être fait. Mais en même temps, je pense qu'il y a un devoir de responsabilité dans la municipalité quand on n'entretient pas nos infrastructures importantes. Puis je pense que les rues, les ponceaux, la sécurité des citoyens, puis là, je pense aux camions de pompiers, je pense à toute notre sécurité incendie, ça ne faut pas que ça soit mis de côté. En même temps, j'entends ce que vous dites, M. Annan, puis c'est des choses qui doivent être étudiées à chaque demande qui est faite. C'est pas parce qu'on a une subvention que la dépense est nécessaire, mais si on ne la fait pas là sans la subvention, au lieu de nous coûter, par exemple, 4 millions, subvention 2 millions, ça nous coûte 2 millions, bien, ça ne sera plus 4 millions moins la subvention tantôt. Ça va être le 4 millions, on va être rendu à 6 millions et on n'aura plus la subvention. Donc, on parle de 2 millions versus 6 millions dans 4, 5, 6 ans, 7 ans, quand ça va péter, par exemple. Donc, je fais juste clarifier ça. Donc, oui, je comprends ce que vous dites, M. Annan. En même temps, je veux dire, faut que ça soit étudié, mais il y a un devoir de responsabilité au niveau de nos infrastructures qui est très important. Pourquoi ne pas indiquer dans les documents préliminaires sur les taxes et le budget le coût de l'augmentation de 3% des règlements d'emprunt? Parce que je l'ai mentionné en conseil directement, que les règlements d'emprunt représentaient 3%. Avec notre 2,9%, on avait un 5,9%. J'en parle encore aujourd'hui. Je prends note quand même de ce que vous dites, puis on peut amender les documents, il n'y a aucun problème. Puis je prends note des points ajoutés pour plus de transparence, en effet. Mais je tiens à préciser, vous nous avez lu en même temps pour prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles, mais on essaie de consulter le plus possible la population quand c'est faisable, quand c'est possible, quand c'est nécessaire, absolument. Sinon, je veux dire, il y a beaucoup de décisions qui sont continuelles jour après jour, là. Donc, je mets un petit bémol par rapport à ça ici, mais quand même, je comprends votre point au niveau de la transparence. Je pense que le conseil, cette année, on a pris beaucoup d'actions pour augmenter la transparence dans la municipalité. Quoi que certaines personnes en disent, mais je pense qu'on a fait nos devoirs par rapport à ça, puis on va continuer de faire nos devoirs par rapport à ça.
Dernière question. Si je peux ajouter. Oui, monsieur Lalonde, allez-y. La facture de, qu'on reçoit, il y a 77 items pour les règlements d'emprunt. C'est ça comme l'équivalent de l'OGA. Il y a certaines disparités où c'est un montant global. Et on dit que la fois qu'on est ici, c'est 90$ et pas de détails. L'ancien conseil a décidé d'être plus transparent. Il a décidé de mettre des détails. C'est sûr que la fin est plus longue, mais il y a une transparence. Vous savez où l'argent va. Merci, M. Lalonde. Dernière question de M. Annan. Là, boum, avec l'attentement des coûts, le plan de dépenses de l'entreprise pour couvrir les revenus du foyer. Je propose que le plan triennal ainsi que le plan de règlement d'emprunt associé fasse l'objet d'un référendum considérant l'impact majeur sur notre capacité fiscale et le taux d'endettement de la ville. Je pense que M. Parent a complété, expliqué un peu tantôt tout ce qui touchait les règlements d'emprunt. Donc, je pense que ça a été répondu. Et M. Annan termine en nous remerciant pour la possibilité de s'exprimer, même si on a des vues divergentes à l'occasion. Donc, j'en ai oublié une. Je n'ai pas oublié. Donc, ça ferait le tour des questions qu'on a reçues par courriel. On vous donne la parole si vous avez des questions. Oui, allez-y. Oui. Juste une petite précision en rapport avec comme l'avait dit M. Pascal. Monsieur Julien, moi je vous connais, mais il y a des gens qui vous connaissent pas. Soit à Facebook ou au présentiel. Bon, ben, mon nom est Denis Durand, c'est tout à l'heure. On l'avait mentionné dans la question. Denis Durand, ancien cardinal. En rapport avec le contrat de l'aquatec de 25 000, je vais juste vous faire remarquer, M. Pascal, que si on est allé à l'appel d'offres, c'est pas parce que Denis Durand l'a demandé, c'est parce que le greffe et la municipalité l'a demandé, parce que ce contrat-là excédait 25 000 $ et par le fait même, on doit aller à l'appel d'offres. Mais les lois municipales, c'est pas pour prendre les équipes, et c'est du bien que les gens puissent avoir constaté les faits. Oui, c'est vraiment bien. Réglement bien par après, on a modifié jusqu'à 100 000. On nous est permis par le Québec. Donc, si on avait eu la flexibilité de pouvoir le faire, le temps, on l'aurait fait et on aurait pu rester avec les réalités. C'est donc dommage. En rapport avec la bonne nouvelle que j'ai appris cet après-midi, parce que j'ai eu le document de M. Murphy à déjà 2h30 cet après-midi, et pour constater qu'il y avait un nouveau revenu de 15 000 généré par la taxation des terrains vacants. Donc, je comprends que ce 15 000-là va réussir à combler la différence entre 25 000 du contrat d'Aquatec et le nouveau contrat de 39 000. À défaut, nous aurions passé une facture de 150 $ de plus. Et je comprends aussi par votre intervention, M. Parent, que vous m'avez déjà indiqué dans une conversation que l'habitant du bâtiment de la fortune pouvait rouler les 150 000. Je ne sais pas si ça a changé. Vous ne savez pas ce parent appel d'offres depuis ce temps-là, je comprends ça. Et je comprends que, advenant que ce montant-là se réaliserait comme vous m'en avez fait part, je comprends que la municipalité assumerait la différence entre le budget qui était, qu'on m'a remis de 145 000. On notait, je pense, 75 000 dans ce document-ci, cet après-midi, pour l'habitant du bassin, je présume. Effectivement, M. Durand, il y a un montant. Le conseil a prévu un montant de 75 000 $ à investir dans le bassin une fois. Là. Ensuite, est-ce qu'il est prévu aux prévisions budgétaires? En plus, parce que Derek, est-ce que tu m'as envoyé, tu m'indiquais un budget de 145 000 et tu me disais que tu puisais 75 000 à même le surplus accumulé dans la réserve. Donc, si on passe à 150 000, il manque dessus, c'est ce que je comprends. Donc, c'est sûr que le conseil accepterait de payer la différence. Et moi, pour tout ça, ben là, je vous dis merci beaucoup. Je suis content quelque part que vous assumiez une partie des coûts de cette infrastructure-là qui n'est pas une infrastructure privée, c'est une infrastructure municipale. Et je vous dis merci beaucoup de m'avoir entendu et compris les démarches que je ne dis pas depuis si longtemps. De s'inviter et compris. Merci beaucoup. Je vais juste mentionner puis que
c'est juste pour le conseil accepter Beijing comme alternative, juste pour l'année 2023. Donc, pour les autres années, on va nous pouvoir faire. J'imagine que l'habitant du bassin sera au prochain conseil, possiblement. Exactement. Ça ne devrait pas vous affecter ni m'affecter. Merci beaucoup. Merci. OK. Bonne soirée. Bonjour, Pierre Antel, Fluid Panoramique. J'ai quelques questions. Premièrement, pour la descente de bateau, je ne comprends pas pourquoi que la ville ferait payer l'ensemble des citoyens pour 8 à 9% de la population qui veulent une descente à bateau. Je ne comprends pas la position que la ville prend pour cette descente-là, parce que ça fait partie de la négociation avec Nature 360. Là, j'ai l'impression que vous êtes en ligne avec Nature 360, puis ils vont faire ce qu'ils veulent, là, ce qui a été présenté, ce qui est inquiétant pour tout le monde qui vit dans ce point-là. Je ne comprends pas non plus. La ville a le droit à 10% des terrains de Nature 360. Nature 360, c'est à peu près 1200 acres. Ça vous donne un terrain de 120 acres, si vous voulez. Il y a peut-être quelque chose à faire. Puis, la descente de bateau proposée est à côté de la descente de bateau du Mont-Cascade, bien juste en face de la descente de bateau de Farm. Fait que ça fait 3 descentes de bateau. Puis là, s'il y a 800 personnes qui se rendent là la fin de semaine, moi, du monde, ça fait bien. Je vais te laisser parler après, Jean-Nicolas, mais moi, le projet de descente était bien là, bien avant. Puis on travaille dessus, nous autres, depuis notre jour 1. Puis je pense que l'ancien conseil travaillait déjà dessus, bien avant qu'on ait la présentation de 300, de Nature 300. Dans la présentation du promoteur, il nous a clairement dit à tout le monde qu'il vous donnait le terrain. Oui, OK. C'est, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de négociation, d'échanges. Ce que je dis, c'est la descente de rivière, on se penche dessus, puis on a regardé les différentes possibilités pour la municipalité, mais je pense que le conseil est unanime dans sa réalisation. Là, on regarde ce qui va avoir le moins d'impact environnementaux et le moins d'impact financier sur les citoyens. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Puis, est-ce que je peux faire une suggestion? Oui, certainement, M. Dantin. Vous pouvez appeler au Lac-Simon. Oui. Et on passe au travail de ça il y a 5 ans. Et il y en a depuis le centre de mètre. Il y a tout obligé de passer. Tout le monde pouvait y aller. Ah, non, ça va être utilisateur-payeur. Même ça, ça coûte trop cher à la ville. Puis tout le monde sur le lac se plaignait qu'il y avait beaucoup trop de bateaux. Puis ça, je pense qu'ils pensent probablement de la fermer. OK. J'entends ce que vous dites. Moi, pour parler avec le conseil des maires de la MRC des Collines, puis je ne dis pas que les municipalités, c'est tout noir. Ils ont eu des problèmes aussi. J'entends ce que vous dites, mais ils ont mis en place des règlements pour resserrer, exemple, monter le prix pour tout ce qui était autre que les citoyens de la municipalité. Puis là, j'ai Val-des-Mondes en tête. Mais donc, vous comprenez, le but, c'est pas que l'ensemble vienne. On veut privilégier nos citoyens naturellement. Fait qu'on va. Mais j'entends ce que vous dites. Puis peut-être un modèle utilisateur-payeur ou un modèle que tu sais, tout le monde paye à partir des taxes. Je comprends. On va regarder les différentes possibilités rendues là. Je comprends tout à fait. Merci, M. Dantin. Okay, merci à vous. Ouais. Bonjour, José Fortin, Antoine-Nicole. Moi, j'ai ma première question, c'est pour les anciens. Je t'ai écouté là, tantôt, je vous l'ai dit. De 2 millions de dépenses qui a été approuvées, même un surplus qui n'existait plus. Comment ça se fait que quand vous étiez assis autour de la table, vous ne saviez pas qu'il n'y avait plus d'argent? On savait, de façon ça fonctionnait depuis environ 12 ans. C'est qu'à chaque 3 ans, il y a un nouveau rôle. Le rôle augmente la valeur des maisons. On garde notre taux de taxe identique et notre budget balance. C'est la même chose qu'on a fait l'année passée. Le rôle est venu augmenter. Cette fois-ci, contrairement aux années passées de 8 % qu'on a eu déjà, je pense qu'on a dû même un 10 % d'augmentation du rôle.
Donc, là, l'année passée, c'était 13 % 3 % de plus qu'on avait déjà eu par le passé. C'est parce qu'il n'y avait pas eu autant de problèmes avec cette augmentation-là au rôle. Puis, notre but, ça venait plus ou moins balancer notre budget, malgré les surplus qui étaient non existants à ce moment-là. OK. Dans le fond, c'était la prévision de l'augmentation de taxes qu'on a eue. Bien, effectivement, comme je dis, c'est pas nouveau. On n'a pas eu d'augmentation du taux de taxes depuis 10, 12 ans. C'est ce que je vous dis. Donc, le rôle vient augmenter à chaque 3 ans, ce qui nous permet de ne pas augmenter le taux de taxes. Puis ça vient balancer notre budget. C'est comme ça qu'on l'a fait depuis les dernières 10 années, puis il n'y a pas grand monde qui se plaignait. Donc là, l'année passée, ça a l'air que de 10 à 13, c'est trop, peut-être, mais essentiellement, on a fait la même tactique, où est-ce que le taux de taxe a resté à 74 cents, puis le rôle est venu augmenter d'une valeur, ce qui a balancé notre budget. Plus ou moins. Moi, ma question était plus, vous avez pris des décisions sur 1,2 million qui a augmenté au niveau du déficit. Des chiffres que vous donnez, qu'on est rendu à 3,4, de autour de la table, vous dépensez de l'argent qu'on n'a pas parce que c'est en prévision. Puis en argent, combien ça a été de différence entre 2021 et 2022 de nos taxes? On le sait, là, mais on n'a pas lu les chiffres du mois de mars. Combien en argent de différence entre 2021 et 2022 qu'on a donné à la municipalité au complet? Revenus de taxes. Ouais. 2021 versus 2022. Et combien plus en chiffres? Il y a eu une augmentation de 13 %. Les revenus ont augmenté de 13 %. L'argent que les citoyens ont donné sur notre compte de taxes. 13 %, vous voulez dire? Oui, mais en chiffre, en argent. 1,4 million. 1,4? OK. Est-ce que ça représente? Donc, ça a permis de. Nos dépenses étaient 1,4 plus élevées, ou 2 millions. Il y avait dépensé 2 millions pour 1,4 qu'on a eu. OK, c'est bon. Merci, madame. On s'en irait au point la présentation du budget comme tel. Donc, je ne sais pas, Christelle, tu peux partager le budget. Donc, avant de m'en aller dans le mot du maire, mon mot du maire que je vais lire, c'est rare que je lis, là, mais. Je veux être sûr de que ça se descende bien, puis je veux pas m'éparpiller non plus. Je pense que le budget 2023, je pense que le conseil, on est très, très à l'aise. Naturellement, on a corrigé la situation l'année passée. Ceci dit, quand je dis corrigé, on a régularisé la situation. On a ramené nos revenus avec nos dépenses qu'on avait baissées quand même un petit peu l'année passée, qu'on a serré, puis on continue de serrer. Ceci dit, les revenus ont augmenté, donc on a régularisé la situation. Cette année, il n'y avait pas le 2 millions qui manquait de revenus en partant, mais les coûts de fonctionnement ont quand même augmenté. Vous comprenez, l'inflation, ce n'était pas prévu l'année passée au budget, malgré qu'il y avait quand même une hausse, mais le 6-7 % d'augmentation, le coût des poubelles qui augmente, ce n'était pas prévu. Fait que c'est sûr qu'on a réajusté certains taux de taxation pour différents ajouts dans la municipalité pour combler ça. Mais grosso modo, à part qu'on est un petit peu dépendant pour la MRC, la police, qui est les informations que M. Murphy a dit tantôt, là, je ne sais pas ce qui est partagé en arrière de moi, mais je vais descendre rapidement les revenus puis les charges. Je vais prendre ça aussi ici. Donc, je vais juste les descendre naturellement. Là, moi, je regarde la façon que c'est présenté. J'aimerais peut-être ça que ça parle un peu plus l'année prochaine. Tu sais, quand je regarde l'administration générale, là, c'est pas des reproches que je fais à l'interne, ça a toujours fonctionné de même, mais je pense que ça serait fun que ça parle un peu plus. Tu sais, la police, les salaires, combien que ça nous coûte à canceler précisément. Comprenez que c'est réparti pas mal dans tout ça. Et donc, nos revenus 2023, les revenus budgétisés, on parle de 20 millions, puis là, naturellement, j'arrondis, là, je rentre pas dans les pièces, mais 20 800 000 de revenus. Donc, nos revenus, je vous le confirme, puis inclus, c'est au niveau des droits de mutation. J'avais eu la question, j'en profite pour vous dire un mot. Je les ai vus tantôt. Droits de mutation, autres revenus, 1 725 000.
on a budgété pour les droits de mutation le même montant que 2022 dans nos revenus. Est-ce qu'on va en avoir plus? Je ne sais pas. Mais je vous confirme que nous, on serre la vis quand même actuellement ici à Cantley, mais en même temps, ben, il y a quand même du développement à Cantley, là, je vous confirme. Donc, on pense que, puis il y a quand même une hausse des taux. Donc, la hausse des taux, actuellement, les taux financiers que M. Murphy, que vous savez, est-ce que la hausse des taux va faire qu'il va y avoir moins de mouvement? Par sécurité, on ne veut pas mettre 3 millions, parce que je mets 3 millions ici, je viens diminuer les revenus de taxes qu'on vous demande. C'est irresponsable, ça aussi. Une bonne gestion financière, les revenus, on les met toujours moins. Les dépenses, on les met toujours plus. Ça, c'est important de comprendre ça. En même temps, il faut que ça représente la situation. Quand je dis toujours plus, c'est quand tu n'es pas sûr, tu en mets un petit peu plus. Tu n'es pas sûr des revenus, tu en mets un petit peu moins. Parce que si ce n'est pas ça qui arrive, l'écart va être double là, dans les deux cas. Okay? Donc, je tiens à apprécier qu'on a été quand même sécuritaire dans nos droits de mutation, mais en même temps, on tient compte de la hausse des taux d'intérêt. Donc, au niveau des revenus, on parle de 20 millions. Des dépenses, M. Murphy vous a expliqué tantôt, on en a pour, je donne un chiffre rond, 20 millions 800 000 de revenus, 21 millions 900 000, donc 1 million de plus de dépenses. Mais dans chacune des dépenses que vous voyez à l'écran, il y a une portion amortissement. Donc, c'est ce que M. Murphy vous disait tantôt. Une dépense d'amortissement, c'est l'usure de nos immobilisations. Ce n'est pas une dépense qu'on va payer comme des coûts d'ordure, comme l'essence. C'est vraiment de l'usure, c'est une dépréciation de nos actifs immobilisés. Donc, c'est pour ça qu'on sort, c'est pour ça que la conciliation fiscale en bas, donc elle doit être considérée dans les revenus puis les dépenses. Je répondais à M. Boulet qui disait que les revenus étaient encore en dessous puis on devrait peut-être augmenter nos revenus pour ne pas recréer la même situation qu'on a déjà eue par le passé. OK? Puis je vous le confirme que ce n'est pas ça. Puis avec la façon qu'on gère actuellement, ça devrait... Je dis ça devrait. Je suis très à l'aise de vous dire que ça ne se reproduira pas. Okay? Très, très à l'aise. Puis là, je descends rapidement. Okay? Donc, l'administration générale, on voit les chiffres. Là, puis là, j'ai les chiffres à côté de moi de 2022. C'est sensiblement quand même pareil, sauf pour les trois que M. Goulet a soulevés. Donc, au niveau du transport, de l'hygiène du milieu puis de la sécurité publique. Je pense que M. Murphy vous a bien expliqué les hausses tantôt. Puis, je tiens à préciser au niveau de la sécurité publique, la police de la MRC... On travaille beaucoup là-dessus actuellement aussi. On finance notre corps de police à 100%. On finance comme citoyen aussi la Sûreté du Québec. Les gens qui font affaire avec la Sûreté du Québec, ben, ils se font financer 50% de leur coût de police. C'est, je vous dirais que c'est l'enjeu dans la MRC actuellement. L'ensemble, on a eu une résolution ici pour pousser au niveau de du Conseil des maires, au niveau de la MRC. Puis je vous confirme que l'ensemble des maires est d'accord avec ça. Donc, mais en même temps, on veut garder notre corps de police de proximité, mais en même temps, on veut se faire financer comme toutes les autres municipalités. Là, il y a un gros écart, puis c'est nous qui le payons actuellement. Donc, on se voit, je vous confirme, avec la ministre de la Sécurité publique, via notre préfet, via les maires, etc., on signe des résolutions, mais c'est pas, on n'est pas la seule municipalité qui a ce problème-là, je vous le confirme. Dans le Québec, il y a plusieurs municipalités qui se mobilisent par rapport à ça. On voit les frais de financement aussi qui ont quand même augmenté avec les taux de financement. On en avait pour 575 000, on parle de 735 000, donc une augmentation d'environ 150 000 au niveau des frais. Mais grosso modo, dans le budget de cette année, avec l'augmentation de 2,9%, le conseil est très, très à l'aise. Puis je vous confirme qu'on va continuer de, je ne veux pas dire de serrer la vis, parce que la vis, on l'a serré l'année passée, puis pas mal, puis ça se répercute dans plusieurs choses, je pense, au niveau financier. On va continuer là-dedans, mais vous comprenez qu'à un moment donné, je veux dire, il y a une limite qu'on peut faire par rapport à ça. En même temps, je pense qu'on peut toujours faire quelque chose. Il y a moyen de négocier certaines choses puis de travailler différemment les choses. C'est ce qu'on essaie de mettre en place ici à Canada. Donc, c'est ce qui m'amène vers mon mot du maire concernant les taxes. Puis là, ben, j'explique aussi, puis je pense que c'est important dans la population. On est une petite population, puis c'est pas long qu'une information peut être différente. Donc, je pense que c'est important que je clarifie sur mon mot puis que je sois très clair. Oui, allez-y, M. Normandin. Juste mentionner que si ça n'avait pas été les trois postes budgétaires tantôt qu'on a mentionné qui ont augmenté drastiquement plus qu'on aurait pu l'anticiper, si ça n'avait pas été ça, les efforts qu'on a fait cette année auraient généré des surplus drôlement plus intéressants. C'était l'intention qu'on avait de
de dans les dépenses et tout, mais malheureusement, ces augmentations-là, comme le contrat d'ordure, entre autres, sont venus un petit peu gâcher les efforts qui ont été faits, malgré qu'au total, je pense que, comme M. Gomez disait tantôt, on va avoir sûrement un surplus à la fin de l'année, mais si ça n'avait pas été de ces trois postes budgétaires-là qui ont explosé, on aurait pu générer un surplus plus intéressant. Donc, chers citoyens, chères citoyennes, dans un souci de transparence et afin de bien comprendre votre compte de taxe, je tenais à vous expliquer à la suite de l'adoption officielle en séance tenante ce qui nous a mené, les conseillers moi-même, à notre prise de décision concernant les taxes municipales 2023 pour la municipalité de Kentley. Tout d'abord, je crois très important de comprendre ce qui compose sa facture de taxe municipale. Donc, quatre éléments. Valeur au rôle. En d'autres termes, la juste valeur ou la valeur réelle de votre propriété. C'est ce que je disais tantôt. Ces valeurs au rôle-là vont continuer d'augmenter. Avec, je vous le confirme, la MRC, nos valeurs de maison sont encore trop basses. C'est la MRC qui me le dit, ça. Mais inquiétez-vous pas, n'importe quelle municipalité qui gère bien ses finances devrait être capable de compenser. Je vous le confirme. En même temps, il y a des dépenses qui augmentent, comme on a vu les coûts de fonctionnement qui ont quand même explosé cette année. Donc, la valeur au rôle, cette juste valeur, très importante aussi, est déterminée par les évaluateurs de la MRC des collines de l'Outaouais, selon les conditions du marché immobilier au 1er juillet de l'année qui précède le dépôt du rôle, soit le 1er juillet 2020, ici. Vous vous souviendrez que cette valeur avait augmenté d'environ 13 % en 2022, nouveau rôle. Le taux de taxation. C'est notre taux qu'on augmente de 2,9 cette année. Il s'agit du taux qui sera appliqué sur votre valeur au rôle et qui permettra de calculer votre montant de taxe foncière générale à payer. Ce montant représente entre 80 et 90 %. Je pense que nous, à Calpé, c'est 77 %. Puis j'en profite aussi, Mme Laramie nous disait qu'on était la municipalité dont les revenus de taxes par rapport, on allait chercher la taxe foncière, c'était nous qui allions chercher plus de taxe foncière. Oui, je vous confirme qu'on doit diversifier nos revenus. C'est important. On est la municipalité, quand je dis le plus, c'est qu'on n'a pas le choix de financer. Vous savez que la fiscalité municipale, dans le temps, on payait le déneigement, on payait l'entretien, on payait ce qui avait rapport au fond de terre, à la maison. Aujourd'hui, on a rejeté des loisirs, on a rejeté. Comprenez, il y a eu un paquet de dépenses qui ont été ajoutées avec les années, ce qui a créé ce déséquilibre-là fiscal, d'où le manque à gagner au niveau des municipalités, puis on est dépendant des revenus de taxation. Ça, il faut que ça soit changé, il faut que ça soit diversifié. Mais en même temps, diversifier, c'est pas facile dans une petite municipalité comme nous autres, là, je veux dire, on n'a pas plein de leviers pour diversifier. Puis je vous confirme, de ce que je vous dis là, c'est partout dans le Québec. Là. Cette fiscalité municipale-là, dont les villes dépendent, on est dépendant des revenus fonciers. Il est temps d'aller chercher d'autres revenus. Il faut être créatif dans ces revenus-là qu'on va chercher. Donc, le montant des taxes pour la municipalité de Kentley est de 76 sous par tranche de 100 $ en date d'aujourd'hui. Nous avons donc haussé le taux de taxation pour l'année 2023 de 2,9 %. Les taxes qui en découlent représentent plus de 63 % des revenus de Kentley par rapport à ce que j'ai là, notre municipalité, comme toute municipalité québécoise, est donc très dépendante de cette taxe. Le 77 % que Mme Laramie parle vient du MAMACH, le 63 % vient de l'interne, mais c'est parce qu'il y a des choses que le MAMACH ne considère pas dans ce qu'on a considéré ici. Mais au bout de la ligne, on est très dépendant, c'est ça qu'il faut comprendre. 63 %, je trouve ça un peu beau. Je pense qu'on est beaucoup plus, 70-77, mais il y a des revenus qui ne devraient pas être considérés par rapport à ici. Mais bref, on est dépendant. La taxe sur les ordures, le compost et le recyclage, cette taxe fixe au montant de 297 $ pour l'exercice 2023 est contrôlée par la municipalité de Kentley. Donc ça, c'est nous qui le contrôlons directement. On pourrait vous mettre ça à zéro. Là. Mais ce n'est pas la meilleure décision, je vous le confirme. Et permet principalement de couvrir les dépenses liées aux trois services de collecte de matières résiduelles. M. Normandin a parlé tantôt qu'on veut se regrouper. On est en train de regarder avec Chelsea et Val-des-Monts qui veulent embarquer pour maximiser tout ce qui est ordures, compost. Val-des-Monts, oui, en effet. Chelsea et La Pêche, excusez.
Donc, c'est ça. Et au niveau des règlements d'emprunt, il s'agit pour la plupart d'emprunts bancaires à long terme effectués par la municipalité pour satisfaire des besoins importants en infrastructure, réfection de rue, achat de camions incendie, par exemple, CCM, etc. Ces emprunts portent intérêt à des taux variés et ont des échéances différentes. Donc, il y a des taux qui viennent à échéance dans les prochaines années. Il y a des taux, il y a des, disons qu'on ne rajouterait aucun règlement d'emprunt, ça va juste baisser, tranquillement, pas vite. Tic, 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 parce qu'il y a des échéances. C'est comme une maison qui vient échéance dans 15 ans. Elle est finie de payer. Donc, c'est ça les 77 règlements d'emprunt qu'on a actuellement. Quand je dis 77, vous comprenez qu'il y en a quelques-uns que vous voyez sur vos comptes de taxes directement, là, parce que ça touche vos rues respectives. Donc, ce qui m'amène à les augmentations des dépenses municipales, je pense que M. Murphy a expliqué quand même très, très bien ce qui s'est passé tantôt, mais je continue. Donc, afin de maximiser le rendement des activités de la municipalité, les dépenses de tous les services ont été analysées, comme l'an passé, de manière détaillée, et on va les suivre toute l'année encore une fois. Ainsi, malgré une population croissante et donc une demande de services grandissante, nous avons été en mesure de couper quelques dépenses jugées moins prioritaires. Pas des tonnes, parce qu'on avait déjà fait les coupures par l'année passée. Mais quand même, on garde un œil ouvert. Si jamais il y a de quoi dans l'année qu'on se rend compte, hey, on a mis un budget là-dessus puis il n'y a rien qui a été dépassé, bien, peut-être qu'il n'y a pas lieu d'en mettre non plus. En même temps, quand c'est le budget, c'est sur le budget, c'est sur le budget. Ça ne veut pas dire qu'on va le dépenser. Inquiétez-vous pas, on n'ouvre pas les coffres de la municipalité sans réfléchir, je vais dire ça de même. Okay? Donc, cela dit, malgré les coupures effectuées, les dépenses totales projetées pour l'année 2023 sont en hausse en comparaison de celles en 2022. Cette hausse que M. Murphy a expliqué principalement. Donc, je parle de l'augmentation du 4,1% de la cote-part de la MRC des Collines. Donc, on parle de 4,125,000 plus ou moins en 2023 versus 3,100,000. Donc, une augmentation d'environ 100,000, une augmentation d'environ 1 million pour l'année 2023, cote-part de la MRC des Collines. En passant, toutes les cote-parts de toutes les municipalités de la MRC ont explosé. Je vous le confesse. Parce que la hausse des coûts qu'on a, vous comprenez que la MRC l'a aussi, de leur côté. En même temps, les coupures, bien, on a des coupures, on a des explications. Tu sais, quand ça touche la police, quand ça touche la sécurité, c'est un petit peu plus tannant, ça. L'augmentation généralisée, naturellement, des coûts de fonctionnement, on en a parlé beaucoup, principalement dû à l'inflation en cause, la pandémie aussi, qui nous a créé. Puis je vous confirme qu'au niveau des appels d'offres, l'ensemble des entrepreneurs, l'ensemble des entreprises qui répondent aux appels d'offres par voie de soumission sont gourmands. Je vous le confirme, puis je ne vous le cachais pas. Fait que le conseil est très à l'aise de dire on va pas de l'avant, mais il y a des fois, comme les ordures, qu'on n'a pas le choix. L'augmentation des coûts de financement, naturellement, dû aux emprunts à long terme. Donc, la décision du conseil, à la lumière des informations obtenues et des analyses qui ont été présentées, et dans le but de favoriser une saine gestion des finances de la municipalité, très important, à court, à moyen et à long terme. Puis quand je dis long terme, ce n'est pas juste dans 3 ans, c'est 50 ans. Mais en même temps, vous comprenez qu'un autre conseil pourrait tout revirer sur le bord. Hein? On en est très conscient. Le conseil a décidé d'augmenter le taux de taxation de 2,9 pour l'exercice 2023, soit un montant établi à 76 sous par tranche de 100 $ d'évaluation pour les immeubles résidentiels et de 1,19 $ par tranche de 100 $ d'évaluation pour les immeubles non résidentiels. D'augmenter 10 % le montant de taxation pour les ordures, le recyclage et le compost. Bien que je sois très conscient que ces mesures génèrent une augmentation de taxes sur la majorité de la population, j'espère sincèrement, du moins, ces explications permettront de répondre à vos questions et favoriseront une implication citoyenne encore plus grande au sein de notre municipalité. Merci beaucoup. Donc, ça clôturerait la présentation du budget. Il y en avait-tu au conseil qui avait un commentaire ou quelque chose à ajouter? Non? Ça va. Donc, on irait au point 4, adoption du budget 2023. PTI. Ah, PTI. OK, parfait. Donc, présentation du PTI rapidement. Ce n'est pas dans l'ordre du jour, mais j'en parle puis je le sors ici. Donc, le PTI, c'est quoi le PTI? C'est le plan triennal des immobilisations. C'est un plan qu'on révise chaque année et qu'on met pour 3 ans. Donc, cette année, on regarde le PTI pour 2023, 2024, 2025. L'an passé, on a sorti un PTI pour 2022, 2023, 2024. Ça nous permet de retourner dedans et voir qu'est-ce qu'il y avait les années d'avant. C'est une liste de souhaits du conseil municipal. C'est des souhaits qu'on met. Quand je dis des souhaits, je suis pas en train de dire que les souhaits, on ne veut pas les réaliser, vous comprenez.
Je suis en train de vous dire que les souhaits, on va les réaliser d'une manière intelligente, en temps et lieu, mais je pense que ça montre la transparence dans la municipalité et ça affiche aux différents ministères aussi où ce qu'on s'en va pour leur soutien, à gauche ou à droite. Dans le PTI, écoute, il y a beaucoup, beaucoup, je regarde les, je dis beaucoup, il y a 675 000 en 2023, il y a beaucoup de choses qui touchent le matériel incendie, les bâtiments incendies, la caserne. On a déjà parlé, donc ça s'en vient, il y a une subvention. Est-ce qu'on sera obligé d'aller de l'avant? On est quand même 60 % de la caserne. On n'est pas obligé de changer notre caserne. On se fait dire que oui, à l'interne. Il y a des problèmes, pas du mécontentement, mais on n'est pas équipé si jamais il arrive certaines choses. On l'est, mais je veux dire, on ne serait pas équipé comme une municipalité de 12 000 personnes qui a subi une expansion. Je veux dire, ça n'a pas changé depuis le temps. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose par rapport à ça. Mais vous comprenez, je vais juste regarder le PTI, puis je vais revenir sur la phase 2 du CCM naturellement. Mais je regarde le PTI 2023 sur 19 600 000 de prévisions. Il y en a 19 200 000 qui touchent des projets de réfection de rue. Donc, on a eu la question, est-ce qu'on peut ne pas réparer les rues? Bien, oui. C'est pour ça qu'à M. Parent, on demande toujours c'est quoi les rues prioritaires qui doivent être changées pour la sécurité, pour la sécurité, mais aussi quand c'est en désuétude importante, pour pas que ça génère des coûts. Mais je vous confirme qu'on est quand même extrêmement... Quand je dis difficile, c'est des fois M. Parent va nous mentionner, ça le fait rire, mais il va nous dire « Ah, cette rue-là, il faut que ça soit changé. » Puis là, ben, on va la visiter, on va la voir. C'est pas long que je la trouve assez belle et assez parfaite, la rue, là, tu sais. Fait que, mais en même temps, je veux que vous compreniez que les modifications puis l'entretien des rues qu'on fait pas aujourd'hui va nous rattraper plus tard quand même. OK? Ça, c'est important. Donc, si on le fait pas, on pourrait ne plus rien faire pour 3 ans. En passant, là, je pense que ça serait super irresponsable de laisser ça dans les mains du prochain conseil qui va tomber avec ça. Puis, ils vont vous venir puis ils vont mettre ça sur notre dos. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans le PTI, il y a beaucoup de réfections de rue. Il y a des pistes cyclables également. Je pense qu'en 2022, faut regarder en avant. Puis je pense que puis je regarde Cantley aussi quand même, là. Tout le côté nature accueillante, bien, on veut y aller dans notre nature. Ce qu'on a changé quand même au niveau des pistes cyclables cette année, c'est quand on rajoute une rue, on rajoute pas une piste cyclable automatique. Ça, en partant, ça change de quoi? Ça évite ce qu'on a vu par le passé, c'est-à-dire de faire une rue 2 ans plus tard, de faire une piste cyclable au triple du coup. Puis des fois, des pistes cyclables... Oh, excusez-moi. Donc, là, je dis des pistes cyclables, des bouts des fois. Nous, ce qu'on regarde actuellement, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Donc, on a coupé ça. C'est pas automatique. 1. 2. On a premièrement ouvert des sentiers au travers de la municipalité, des sentiers qui permettent aux rues d'éviter la 307, donc de régler un problème de sécurité et de permettre à nos gens sur le territoire de circuler sur le territoire. Ça, c'est 2. 3, qu'est-ce qu'on veut faire? Puis le dessin est quasiment fait, mais on veut finaliser les sentiers avant. On va, les bouts de pistes cyclables qui ont été faites, comme on entend souvent, en tout cas, j'ose espérer qu'il y avait une vision quand même avant, là, mais nous, on va les connecter naturellement, puis on veut que ça passe dans le gros noyau de Cantley, c'est-à-dire le cœur de Cantley. Donc, on va aller rejoindre les sentiers, mais on n'en fera pas partout. Puis, idéalement, c'est en forêt. Idéalement, c'est beaucoup moins cher que vous pensez. Si on peut éviter, si on peut passer dans le sentier, je veux dire, c'est super agréable aussi. Mais on voudrait qu'il y ait une belle boucle au niveau de la municipalité. Est-ce qu'on va aller rejoindre Cascade? Est-ce qu'on va aller rejoindre le quartier de Monsieur de Bellefeuille dans le bout de Montépaiement? C'est éloigné, on pourrait se concentrer sur le cœur. Je pense que c'est pas mal l'avis du conseil. En même temps, il faut avoir une vision long terme. Donc, je pense à Chamonix-S, qu'on veut changer. Est-ce que ça nécessite une piste cyclable? Peut-être pas là, à court terme, mais à long terme, avec le développement, avec le cœur qui va se développer, bien, si on le refait dans 3-4 ans, ça va coûter une fortune. Là, d'ajouter une piste cyclable, on parle d'environ 15 % sur un coup de rue. M. Parent peut me reprendre, si je dis ça toute réserve, mais c'est autour de 10-20 % si on fait une rue de 4 millions, exemple, une piste cyclable va nous coûter quoi? 750 000 de plus sur un coup de 4 millions.
si je ne le fais pas tout de suite, ce coût de 750 000-là va devenir 2 500 000. Donc, quand on ouvre la rue, quand on répare nos rues, si c'est sur notre trajet qu'on veut faire, je vous le confirme qu'on va le faire. Si ça ne l'est pas, on ne touche pas à ça. En même temps, il faut avoir une vision long terme aussi. Parce que les prochains conseils vont prendre des décisions. Mais compte tenu de la situation actuelle, je pense que ça serait bien peut-être qu'on se concentre. J'entends ce que vous dites, puis je pense que le conseil n'est pas totalement en désaccord avec ce que vous dites par rapport à ça. Je regarde la caserne, je regarde les pistes cyclables, je regarde les rues principalement, je regarde tout le côté sécuritaire au niveau de notre incendie. Ça m'amène au CCM, phase 2. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé avant. Okay? La phase 1 a été construite. Je n'ai pas l'intention, puis je dis « j'ai » parce que je parle en mon nom actuellement, mais c'est le conseil est unanime. Bien, je dis « unanime », on est très à l'aise avec ça par rapport au CCM. On n'a pas l'intention de présenter un autre effet. Je ne veux pas dire un autre, mais disons un éléphant blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Okay? Donc, puis il y a un programme de subvention du gouvernement qui sort actuellement, c'est le temps. Il faut que ça apparaisse sur notre PPI pour dire au gouvernement « hey, on s'en vient ». Phase 2 du CCM. Donc, 66 % financé. Il y aurait un 10 millions de financiers. Je vais rentrer dans le projet rapidement un petit peu après parce qu'on a jasé autour de la table, mais ça va rester à finaliser et avec les citoyens et selon nos études par après. Mais le 33 % financé par la municipalité, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit à coût nul pour le citoyen. OK? Donc, le 10 millions que vous voyez là, c'est un projet de... Là, c'est un projet qu'on a mis des chiffres approximatifs. Vous comprenez. Donc, le 30 millions du CCM phase 2, que je vais vous expliquer rapidement après, le 10 millions, bien, même s'il va générer un règlement d'emprunt, ce règlement d'emprunt-là, ce qu'on veut, c'est qu'il soit payé à même les revenus qui vont être générés par la phase 2. C'est pour ça que là, on rajoute une infrastructure importante. Donc, quand je dis coût nul, c'est super important, c'est l'ensemble du conseil qui est unanime là-dessus. On veut que ça soit coût nul. Est-ce qu'on va le ramener à zéro? Est-ce qu'on va le ramener à 10 piastres par... On ne veut pas que ça soit... Si je rentrerais 10 millions, c'est 250-300 piastres par citoyen. Suite. C'est pas ça. Nous, on veut le ramener à zéro. Ça va-tu être 10 piastres à la fin? Ça va-tu être zéro? J'espère que ça va même générer des revenus. Parce qu'une fois qu'on a payé ça, donc c'est une façon de diversifier nos revenus. Je rentre un peu dans la phase 2 du CCM. Au niveau des subventions, c'est important de comprendre ce qui existe déjà dans la MRC est peu attrayant pour les gouvernements. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre par rapport à ça. Donc, ce qui existe déjà dans d'autres municipalités, beaucoup moins intéressant. Donc, il faut amener un projet régional, un projet d'envergure qui n'est pas ici à Cantley. Donc, ce qui a été présenté actuellement, puis ce qu'on vous présente, puis ce qui va être vérifier avec des études de faisabilité, puis je vais vous proposer quelque chose là tout de suite, mais il y a déjà plein d'idées qui sortent, puis on va vérifier toutes ces idées-là. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé avec Gatineau. Gatineau ont autorisé dans leur budget 4 patinoires, puis ont laissé tomber terrain de gazon synthétique avec le plan chaudron. On prend la balle au bon et on s'en vient à Cantley avec ces deux éléments-là. Donc, terrain de gazon synthétique, grandeur, de vraie grandeur, une grandeur professionnelle, avec une piste, là, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais une piste de course auto, c'est les idées qu'on a. Donc, piste de course auto, 12 mois par année, mur d'escalade, on maximise les revenus dans cette salle-là. On ne parle pas d'une patinoire, on ne parle pas d'une piscine intérieure pour le moment. Ça coûte énormément cher, puis comme je vous dis, il n'y a pas nécessairement de subvention pour ça qui pourrait suivre. Très difficile d'aller chercher, très difficile d'avoir l'acceptation de notre projet si c'est déjà fait ailleurs. Puis je veux dire, si on n'a pas la subvention, on n'ira pas de l'avant non plus. Donc, la subvention, c'est une chose, puis l'effet nul sur le 10 millions, ça n'est une autre. Je vous le confirme, les deux. Je suis très à l'aise de vous dire ça. Donc, terrain de gazon synthétique, piste de course, mur d'escalade, planche de drone, skatepark intérieur. Puis là, est-ce que ça touche les besoins de la municipalité? C'est un projet régional. Les deux infrastructures que je viens de vous parler, le skatepark intérieur, le terrain de gazon synthétique, vont générer des revenus, vont être utilisés par l'ensemble, pas de Cantley, pas de la MRC,
de l'Outaouais. C'est des projets qui en a, qui n'ont pas actuellement aucun plan chaudron. Il y en a un seul à Ottawa qui roule sans arrêt. Ce qu'on s'est fait dire, ce que Gatineau a soulevé, c'est « Ah, mais le jour, les jours que les élèves sont à l'école, ils ne sont pas là. Donc, on va faire des ententes avec les écoles. » Mais il n'empêche que le soir, les fins de semaine, ça roule à la planche tout le temps. Puis là, naturellement, on parle de ces deux projets-là, mais il y a du monde au conseil qui ont soulevé deux terrains de tennis intérieurs, une piscine. On peut-tu regarder rendu là la faisabilité pour une piscine? Mais moi, la piscine intérieure, on va regarder toutes les possibilités. Il y a des citoyens qui ont dit « On peut-tu être consulté? » On va vous consulter aussi par rapport à ça. Je vous le confirme. Mais il faut un projet autre qui n'existe pas pour aller chercher la subvention. Et si, je répète encore, c'est super important, coût nul. Suite à ça, dans la phase 2, bien là, naturellement, les salles ici qui rapportent zéro ou presque pas actuellement, bien là, on va pouvoir charger. Parce que là, ça va amener du je vous confirme qu'on va maximiser les revenus des salles ici également. Je vous confirme. Puis là, bien, il va y avoir des petits commerces qui vont s'ajouter, qui vont vouloir s'ajouter pendant que les enfants font ça. Tu sais, je pense entre autres à un gym, exemple. On va voir avec nos entrepreneurs de la région s'il y a moyen de faire. Est-ce que ça va être la municipalité? Est-ce que ça va être des entrepreneurs? On n'est pas rendu là. On est juste à l'étape d'avoir sorti une idée puis de le rentrer du PTI. Pourquoi? Pour avertir le gouvernement, on s'en vient avec un projet. Et le gouvernement, je vous le confirme, depuis un an, ils sont déjà au courant du projet qu'on travaille à Canclé depuis un an. Donc, c'est ce qui expliquerait, c'est ce qui explique le CCM phase 2. Est-ce que ça va être 30 millions? Est-ce que ça va être 25? Est-ce que ça va être 35? On ne le sait pas. La première étape, vous voyez, on a mis 200 000 $. Le but, c'est de faire des études de marché, études de faisabilité, études hydrologiques pour aller vérifier qu'on est sur la bonne voie. Et pour avoir les subventions, il faut faire les études également. Hein, M. Parent, vous me confirmez ça? Oui, un tiers. Donc là, le 30 millions, 10 millions fédéral, 10 millions provincial, 10 millions municipal qu'on va auto-financer. C'est super important. L'ensemble du conseil est unanime pour ça. On est conscient de la chose. On veut profiter de ce qu'il y a là pour générer un boost. Puis je pense que ça va générer un boost dans la municipalité. Ça va créer un noyau à Canclé. Puis je pense qu'après ça... Écoute, il ne reste plus grand-chose à Canclé. Nous, on s'en va, on a bien compris à Canclé qu'on est dans le récréo touristique. Donc, on a des terres, on a l'accès à l'eau, qu'on se bat, mais sinon, on veut protéger notre environnement, puis c'est central ici. On ne veut pas aller faire ça n'importe où, là. C'est central ici. Il y a des capacités qui ne sont pas disponibles ailleurs au niveau de l'emplacement. Donc, c'est un endroit qui est déjà là, en plus. Donc, c'est ce qu'on veut profiter en le mettant sur notre PPI. Mais je le répète, on veut ça à coût nul. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé là-dessus. Là. Puis je veux que vous compreniez que tous les revenus vont être mis là-dessus. Et là, quand je dis les revenus, c'est les revenus qui vont être générés là-dessus. Ça va être le commanditaire qui va mettre son nom sur le building pendant 10 ans. Ça va être les autres, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, les autres entrepreneurs à gauche, à droite qui vont financer le projet également. Je vous confirme qu'on va faire nos devoirs pour diminuer la facture. Mais le gros... la facture va être payée à même les revenus qui vont être générés. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, ça mettra un... Y avait-tu des clarifications? Oui, allez-y, pour le PPI. J'ai une question, M. le maire. Quand vous parlez du coût nul, est-ce qu'à un certain moment, on va avoir une ligne de taxe liée au CCM phase 2 ou peut-être qu'on va réaliser que le projet s'est autofinancé après un nombre d'années, 10 ans, ou c'est le coût nul de le début, donc il n'y aura jamais, est-ce qu'il n'y aura jamais ou tout simplement un petit montage sur la ligne de taxe dès le début ou vous parlez que le projet va s'autofinancer après un certain nombre d'années. Mm-hmm. Est-ce que c'est dès le début, on va pas avoir une ligne de taxe sur le compte de taxe de citoyen lié avec le CCM phase 2? Ouais, je peux pas vous dire ce qui va arriver dans le futur, mais je peux vous dire que je veux que dès le jour 1, que l'endroit soit plein et loué tout le temps. Ça, je peux vous le jurer. Puis quand je dis ça, c'est... tous les revenus qui vont être générés à partir du jour 1 vont permettre de payer la facture. Est-ce que le jour 1, il y a un impact de zéro pour le citoyen? Peut-être pas,
mais idéalement, oui. Ça, je peux vous le confirmer. Peut-être qu'il veut dire les frais opérationnels ou les frais de l'infrastructure. On, idéalement, ils sont couverts aussi. Ils seraient couverts également. Quand je parle... Opérationnel, infrastructure. Oui, les deux aussi. Et, ouais. Ça semble ambitieux. Ouais. Ben, regarde, c'est ce qu'on veut quand même. Ouais. Moi, je parlais beaucoup plus de... Les... 10 millions du règlement d'emprunt. Exactement. Est-ce que ça va se répéter sur la taxe des citoyens ou dès le début, il y en aura pas? C'est ça, parce que 10 millions pour pouvoir aller chercher les promoteurs, les gens qui vont faire la publicité pour financer 10 millions. Là, je comprends avec les 10 millions du fédéral, 10 millions du provincial. Ça, c'est sûr, c'est relativement facile à aller chercher une fois que vous avez présenté vos projets. Mais aller chercher 10 millions des promoteurs ici et là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de coûts sur la taxe des citoyens. J'ai peut-être juste pas été super clair. Le 10 millions, je vous le confirme, c'est un règlement d'emprunt. En partant, disons, je donne un exemple. Un promoteur veut mettre son nom sur le bâtiment puis nous offre 2 millions pendant 10 ans. Mais, l'emprunt va être de 8 millions. L'emprunt va être mis sur 15-20 ans et va générer, comme tous les règlements d'emprunt, des paiements annuels ou des paiements mensuels annuels. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des paiements qui vont être générés. C'est ces paiements-là, c'est ce financement-là. Là, le jour 1, je ne peux pas vous répondre, M. Bosco, je l'espère. Mais non, je ne peux pas vous le promettre corps et âme. Non, je veux juste que ça soit clair qu'on compte. Parce qu'à un certain moment, on peut dire que ça va être un coût nul, puis on va se retrouver avec une ligne de taxes sur le compte des citoyens. Puis, tout ce que je dirais, si on n'est pas capable d'aller chercher les 10 millions pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas assez d'argent pour couvrir les 10 millions, est-ce que ce serait possible d'aller consulter les citoyens pour pouvoir réaliser le manquant, là, je ne sais pas si 7 millions ou. Si on a eu peut-être 5 millions, 3 millions de promoteurs, si on va aller chercher 5 millions, 7 millions par règlement d'emprunt, est-ce que vous pouvez vous engager, vous allez aller consulter les citoyens pour aller chercher son manquant pour pouvoir réaliser ce projet? Parce que je vais juste m'assurer que c'est clair, parce que moi, personnellement, je ne suis pas très, très à l'aise d'aller augmenter la taxe des citoyens. Tout à l'heure, M. Murphy disait que pour 1 million, on a 100 dollars, là on parle de quoi, 5, 10 millions, là, ça fait monter beaucoup. Donc, je vais juste m'assurer qu'on a une stratégie, que ce soit clair, que ce soit qui nous écoute, qu'on a une stratégie pour aller chercher de l'argent pour financer ces 10 millions, pas les 20 millions du fédéral et les 20 millions du provincial, mais qu'on peut aller, on a une façon, une stratégie pour aller chercher les 10 millions qui va être financé par, je ne sais pas, le projet. Oui, bien, juste pour clarifier, là, parce que c'est pas 10 millions que les revenus vont générer le jour 1. Puis c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que 10 millions sur 20 ans, qui coûte 500 000 par année, qu'on génère 500 000 pour payer ça, simplement. Donc, il n'apparaîtra pas sur votre facture. C'est pas 10 millions jour 1. Ça va je comprends. Ça va générer des revenus, puis ça va permettre de payer ça. Est-ce que ça va être un coût nul? Est-ce que ça va être un coût de 2$, 10$, 100$? On n'est pas rendu là encore. On n'a fait aucune étude actuellement, M. Bosco. Fait que je ne peux pas vous le promettre, mais je vous confirme que l'idée, puis quand je dis l'idée, c'est que l'idée, on va la pousser. Là. On veut rentabiliser. On ne veut pas faire un autre éléphant blanc. Mais je vous confirme que je suis très à l'aise avec ce que je viens de vous dire. Ça va se rentabiliser et ça va être occupé tout le temps. Très, très à l'aise par rapport à ça. Je veux juste que ce soit clair. Donc, si je comprends bien votre explication, ça veut dire que pendant que le projet soit rentable, les citoyens vont avoir une ligne de taxe qui va s'ajouter, une ligne de taxe qui sera liée au CCM FAST. Est-ce que c'est ça? En attendant que le projet commence à générer un revenu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut répondre? Moi, je ne serais pas trop inquiet, M. Bosco, là, que, qu'on soit délié au conseil ou non avec le projet ou le règlement d'emprunt, la dépense. Les citoyens aussi peuvent être tranquilles. Ils ont toujours l'option de venir signer le registre.
quand on aura le règlement d'emprunt, on saura exactement le montant et les détails. Parce que si c'est 100 $ par million, à 1000 piastres, ça facture. Moi, je m'attends à ce que tout le monde dans la salle vienne signer les registres. Donc, je pense que tout le monde peut être tranquille. Là, quand les détails viendront, on verra la décision qu'on va prendre de tel conseil comme les citoyens ou les registres. Monsieur Lalonde, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Monsieur le maire avait dit dans son petit mot que c'est oui, il faut consulter la population. Je pense que ça a été dit dans notre rencontre entre nous, puis ça a été dit avec M. le maire dans sa présentation. Je pense que c'est important de mentionner aussi que ça reste dans nos mains à nous, le conseil. Si les subventions ne sont pas là, c'est sûr qu'on... En tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais moi, je ne serais pas favorable à ça. Si les études de faisabilité ne montrent pas qu'on est capable de financer ce projet-là sans imposer la facture aux citoyens, c'est sûr que moi, je ne serais pas favorable à ce projet-là. Mais je pense que le projet mérite d'être étudié, mérite d'être regardé. C'est une belle opportunité. Ces subventions-là ne viennent pas à toutes les années. Donc, on serait fou de ne pas au moins étudier la possibilité de le faire. C'est ce qu'on fait. On le fait par étapes. On va consulter les citoyens. Si on voit que les études de faisabilité nous montrent que c'est quelque chose qui est envisageable, sur le certain qu'on va avoir le coût de la population. Mais je pense qu'on y va par étapes. C'est la chose plus importante. Oui. Personnellement, non plus, je ne serais pas favorable au projet en tant que tel. Donc, ce n'est pas un beau projet. C'est un beau projet. Sauf que je n'étais pas à l'aise non plus avec la surcharge fiscale qu'on allait vous demander. Dans mes priorités, moi, c'est beaucoup plus, en fond, la protection de l'environnement, acheter des terrains, encourager le transport actif à l'aide de pistes multifonctionnelles, comme vous le savez. Toutefois, puisqu'on a mentionné qu'on allait faire des consultations, j'aimerais ça voir si on peut avoir un mode participatif aussi, là. Le fait de s'assurer que ce soit nul, bien, je pense que dans une optique de diversifier notre économie pour ne pas être aussi dépendant des taxes foncières, ça peut être quelque chose de positif pour la municipalité dans ces conditions-là. Je suis aussi demandé que ça soit un bâtiment vert, bien sûr, j'ai mis ma petite note. mais je pense qu'il faut le regarder d'un bon œil, malgré les inquiétudes qu'on doit aussi avoir. Là. Je pense qu'il faut être vigilant à travers tout ça. Mais le conseil, je pense qu'on était unanime que si. Ça répond sur le plan financier. Si on n'a pas les subventions, ce n'est pas à coût nul. On ne peut pas aller de l'avant avec ce type de projet-là parce qu'on ne veut pas vous surcharger davantage pour un projet qui n'est pas qui est agréable, mais qui n'est pas nécessaire non plus. Là, je veux dire, c'est du développement. Il faut s'assurer qu'on soit dans une optique de développement durable là, à travers tout ça. Donc, on parle d'amélioration de la qualité de vie des citoyens, qu'il y ait des bénéfices économiques, puis qu'il y a des interventions environnementales significatives aussi. Là. Donc, il y a beaucoup d'aspects à considérer à travers tout ça. Mais moi-même, je n'irai pas de l'avant avec le projet s'il n'est pas rentable en bout de ligne, puis qu'il n'y a pas de critères de base, je pense, puis pour le rendre acceptable. Et j'ajouterais aussi que suite à ça, il y a beaucoup d'idées qui ont sorti ici, d'autres idées qui ont été générées, rendues là, on va les voir, inquiétez-vous pas, pour savoir vos affinités par rapport à ça, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour différentes raisons. En même temps, nous, on tient compte de ce qui pourrait ne pas être financé. Donc, j'entends, j'ai déjà beaucoup de gens que j'ai déjà dit, ça n'arrivera pas, le projet d'Arena à Canclé, verra. C'est bien dur de financer actuellement ça. Il faudrait l'assumer 100%. Fait que ça ne verra pas le jour, je vous le confirme. Là. En tout cas, pas dans notre conseil là, actuellement. La MRC, les députés, il y en a déjà 3 sur la MRC. Des arénas. Donc, c'est pas quelque chose qui est... Puis c'est des coûts importants. Les deux bâtiments qu'on vous propose, c'est des bâtiments, on est à l'intérieur. Donc, c'est pas comme une piscine, puis c'est pas comme une aréna où il faut des coûts de fonctionnement, des coûts de chauffage, d'entretien très, très, très importants. Donc, et de l'eau, en effet.
Donc, madame, y avait-tu d'autres choses? Je regardais madame Plamondon, peut-être que vous... Non, ça va, excellent. Non, donc... Ben, il y avait des gens qui se demandaient s'il y avait une autre. Ben, ils pourront venir... Ouais, peut-être après, oui, vous viendrez à la période d'après, pas de problème. Donc, au point 4... Il n'y a pas d'autre période de questions. On l'a mis en premier? Dans l'autre point, dans l'autre conseil, oui, mais il n'y a pas de période de questions. Vu qu'on a monté ça là, pas de questions, donc vous avez votre réponse. Mais vous viendrez vous poser à la deuxième séance, si c'est correct aussi, même si ça ne touche pas, là. Aucun problème. OK, donc, point, merci de nous ramener à l'ordre, M. Perrin. Point 4, oui, je suis sérieux quand je dis ça. Oui, des fois, le décor. Adoption du budget 2023 et programme de mobilisation, il est proposé par. Je propose. C'est Gold. Philippe, appuyé par M. Bosso. Il est résolu que le Conseil adopte les provisions budgétaires suivantes pour l'année 2003 et le plan d'immobilisation tel qu'elle est déposée. Soit des revenus de taxes de 16 774 580, tenant lieu de taxes pour 143 500, autres revenus de sources locales de 3 864 476, pour un grand total de revenus de 20 782 556, des charges à l'administration générale pour 3,2 millions, sécurité publique 4,7 millions, transport 7,6 millions, hygiène du milieu 2,2 millions, aménagement urbanisme développement 1,2 millions, voiture culture et parc 2,1 millions, frais de financement 735 000. Puis un total de fin fiscale de remboursement de la dette à long terme de 2 286 200, des actifs d'investissement pour 2 253, affectation pour les avoués de 90 000, amortissement des immobilisations pour 3 513 000 pour un exercice de fonctionnement d'exercice 2003 effectuel à zéro. Il y a plein de mobilisations sur aussi adaptées. Les acquisitions prévues en 2003, 21 146 235 2024, 21 619 et 2025, 35 223 et 100 $. Besoin d'autres questions, commentaires, peut-être l'unanimité. Merci. Ce qui nous amènera au point 6.1, publication budget 2023, programme d'IMO. Il est proposé par. J'appuie. M. Philippe Normandin. Excusez-moi, M. Normandin. Appuyé par Jean-Charles Lalonde. Il est résolu qu'un extrait du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation soit publié dans le journal L'Écho de Quintelé et que le document explicatif tel que présenté soit disponible sur le site Internet www.quintelé.ca. Il est déjà présentement sur le site Internet. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 7.1, clôture de la séance. Il est proposé par. Nathalie Bédine. Appuyé par. Sarah Plamondon. Il est résolu la séance du conseil ordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2022 et soit est élevé à 20h44. Merci beaucoup. Donc, ce qui nous amène à notre deuxième séance extraordinaire. Donc, Est-ce qu'on peut prendre oui, aucun problème. J'ajourne pour 3-4 minutes.
on va poursuivre. Donc, avant de tomber dans la deuxième séance extraordinaire, on est en ligne, Christelle, tout est beau, oui, c'est là, parfait. Donc, avant de tomber dans la deuxième séance extraordinaire, je vais donner la parole à notre directeur des finances qui aimerait rectifier une information qui a été mentionnée tantôt. Oui, merci, M. Gomez. En fait, tantôt, j'ai mentionné le 100 $ par million d'emprunt aux citoyens. Là, c'est plutôt à l'entour d'une vingtaine de dollars. Ça, c'est là, j'ai pris un taux de financement à 6 % puis je l'ai sur une durée de 20 ans. Donc, ça donne environ 20-21 $ pour une unité imposable moyenne de 350 000 à calculer, là, disons. Là, c'est pas 100 $ pour un million, mais 20 $ pour un million. Donc, merci aux citoyens qui... pardon? Pour une valeur de maison de 300 000. À peu près d'un million. Ouais, fait que tantôt on parlait de... Non, je suis parlé d'un prêt de 300 000. Une valeur de... 350 000, excuse, que j'ai mis ici, mais... Fait que tantôt on parlait d'une infrastructure de 10 millions, fait que ça voudrait dire 200 $ par... Ça, c'est pas financé. Ouais. Ça, c'est si... En effet. Si c'est pas financé. Oui, 20 $ pour 1 million, donc x 10 pour 10 millions, 200 $ par personne. Ça, c'est avant le financement qui va... baisser cette facture-là idéalement à zéro. C'est ce qu'on veut. Donc, deuxième séance extraordinaire, ouverture de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. 20h52. 52.2, donc adoption de l'ordre du jour du 19 décembre 2022. Je tu comptes le nombre de... Je vais jouer. Parfait. Donc, point 2, adoption de l'ordre du jour. Y a-t-il des changements, quelque chose? Oui. Vous m'avez demandé. Ben, je vais ajouter à l'ordre du jour l'avis de motion de dépôt de projet de règlement numéro 701-22, modifiant la réglementation numéro 562-18, relativement à la gestion actuelle de la municipalité de Kentley. Pour ajouter ça, il faut l'accord unanime de tous les membres du conseil. Donc, je vais commencer cette fois-ci par M. De Bellefeuille. Monsieur Lalonde? Oui. Madame Blamondon? Oui. Monsieur Normandin? Oui. Monsieur Bosco? Oui, d'accord. Madame Bellil? Oui. Monsieur le maire? Oui. Parfait, on va rejeter le point. Donc, par conséquent, il faudra un proposant secondaire pour accepter l'ordre du jour avec la modification qu'on vient de proposer. Je propose. Philippe propose. Qui est le second? Jean-Nicolas? Il est résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 décembre 2020 soit adopté avec les modifications proposées. Merci. Que le point qu'on ajoute, on l'ajoute en 3.2. Excellent. Donc, 3.1, adoption du règlement numéro 697-22 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2023. Il est résolu que le conseil adopte, bon, excusez-moi, il est proposé par? Je pense. Monsieur Lalonde. Oui. Et par Monsieur Lalonde. Il est résolu que le conseil adopte le règlement numéro 697-22 établissant le taux de taxes et de tarification des différents services pour l'année 2023, dont copie est jointe à la présente résolution. Que la présente résolution abroge à toute fin que de droit toute résolution antérieure s'y rapportant. Question? Je ne suis pas habitué avec mon micro. Questions, commentaires? Et à l'unanimité. 3.2, le point qu'on vient d'ajouter, donc avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 701-22, modifiant le règlement numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la municipalité de Cantley. Monsieur Lalonde. Je, Jean-Charles Lalonde, conseiller du district d'Indalab, numéro 5, dans la présente, dans l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du conseil, le règlement numéro 701-22, modifiant le règlement numéro 562-18, relativement à la gestion contractuelle de la municipalité de Cantley. Dépose le projet de règlement intitulé règlement numéro 701-22, modifiant le règlement numéro
562-18, relativement à la gestion contractuelle de la communauté canadienne. Merci beaucoup, M. Lalonde. Donc, ce qui nous amène au point 4, période de questions. Donc, finalement, M. Là, vous n'aviez pas une question que vous vouliez poser? Non, c'est OK, excellent. Donc, ce qui nous amène au point 5, clôture de la séance et levée de l'Assemblée. Il est proposé par? Nathalie Bélil. Appuyé par? Sarah Plamondon. Il résout que la séance ordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2022 soit élevée à 20h56. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup.